goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say, goodbye. You're a black hole, sucking me in your vacuum. Yeah, I cracked my windshield, lucky that I didn't crack you. And I'm feeling drunk in this hotel room, trying to ask you about all of your past dudes, and why they stay so present. Cause bitch, if I'm the future, then why they in your presence? And if I'm the king, and you're the queen, then why you acting like a peasant? Why you acting like a peasant? I thought you were gonna tell all of your exes. Let me start with Paul. Have fun on your farm. Why you counting your chickens and your ghosts? Why you getting dogged? Cause you think you love Paola. Cause you went and fucked Paola. But you're just enamored by pussy power. Cause you never really got it. So when she threw it, yeah, you caught it. And I knew it, but I bought it. And Paul's just your puppy. Better keep him on your leash. Cause the second that he finally gets some more pussy, he's gonna leave. A round of applause for all the losers. Like that's just one bum you should have told. Goodbye. 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 Yeah, let me name these hoes. There was Blake, yeah. There was Devin, yeah. There was Igor, yeah. There was Paul. Yeah. Then I found out you're a prostitute, so it was more names than I recall. Should have listened to the cops, should have listened to my pops, should have listened to Boogers, man. Why did I not? Because I really loved you. Oh, I really loved you. But you are money hungry hoes. Guess what I'm saying? You told me that I was crazy till I pulled up on your man and you. You look like the devil when you waved at me.
goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Salut Vietnam! Comment ça va les gens? Ouh là là! C'est du bien de rentrer? On va aller jouer un peu avec les PNJ du coup. Tout le monde veut jouer avec des PNJ, puis personne ne veut jouer. Bon, bah, on va jouer avec des PNJ alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, mise à jour FiveM. Et bah, on joue avec FiveM. 37 MO. Qu'est-ce qu'ils nous ont inventé encore? Un nouvel écran d'accueil, super magnifique comme ils savent faire. Alors. Magnifique. Magnifique. Vraiment, enfin même, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus pour je sais pas trop quoi, mais. Alors. Je les ai même pas mis les dernières mises à jour. Bon, c'est des bêtas, hein, tout ça. Enfin, des bêtas, c'est pas des bêtas, mais. Ils conseillent pas de les mettre encore, quoi, ouais. Alors, voyons voir. Est-ce que un petit script de. PNJ fonctionne bien. Ah putain, j'ai oublié de couper le K9 à chaque fois. Il faut que je change les trucs du K9. Je crois que je l'ai fait ça, non? Merde, je me rappelle plus si je l'ai fait ou pas. Non, je crois que c'est de pointer le chien qui pose problème. Je crois que quand tu fais pour pointer un PNJ, c'est la même que pour pointer un chien. Et du coup, je crois que là, du coup, le K9 il perd les pédales. Il croit que tu veux lâcher un chien, mais il te dit qu'il n'y a pas de chien. Donc du coup, il se met en boucle à chercher un chien. Il me semble qu'il y a un truc comme ça qui fait que ça merde. Il va falloir que je change la touche pour pointer avec le chien. Qu'est-ce que je vais mettre? Ça, c'est pas une question. C'est une question qui est bonne. Déjà pour l'instant il le fait pas. Je crois que c'est quand je vais demander à un PNJ de se coucher qui va se mettre à dérailler le bordel. On va voir, ça va finir bien. On va bien finir par arrêter un PNJ. Voilà, je crois qu'il y a déjà des flics, on va pas se mettre. Alors, je mets sur la radio. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai à manger, j'ai peu à boire. Ok. En armement, ça dit quoi? Ça dit qu'on est pas mal. On va chercher juste un peu à boire. Je vais faire du sport. Hein. Parce que là, ça se sent quand je travaille 24 heures. Hein. Ça descend. Je reprends votre position. Ah. Je suis sur l'autoroute. C'est Discut, William 06 vous attend pour faire une levée tout à l'intérieur du bâtiment. Ah, ça y est. Il y a un sous-sail. Ils ont dû faire un call-out là, je pense. Dispatch de 20 William unité. À l'écoute. Bonjour, on est 19. Ouais, c'est Discut, vous pouvez vous rendre à Sandy Shore, on a possiblement un individu armé à l'intérieur. Discat, on est en route. C'est ça, c'est un call-out. Et le mec, il est parti à pied. Hein. Quand c'est un homme armé, normalement, il part à pied et il est quelque part dans son écharpe. Et il a une arme en main. Il faut le trouver. Je prends laquelle? Je prends la mienne? Ouais, je prends la mienne. Allez, hop.
avec son sandy char. C'est parti. Sandy Char, nous voilà. Hola, Sonny Ox. Bah, allons voir ce qui se passe là-bas. Yes. Maintenant rentrée du boulot, écoute. Tranquillou, hein. Les collègues m'ont appelé, il y a probablement un homme armé dans son déchar, on va aller voir. Non, ça va, ça a été calme, une petite nuit d'amour. Je suis pas sorti de la nuit. Mais bon, boulot, on dort pas comme à la maison, mais bon. Disquette. Donc il y avait un homme près de la boutique armé. Maintenant il est en train de se balader dans le Sandy Shore. Va falloir le trouver. Putain, mais j'ai des putains de lags, c'est quoi cet embrouille là? Qu'est-ce qu'ils ont fait 5M là? Des gens sur borne à 10 ans. Bah ouais, là, du coup, il y a plein de flics. Vous savez que maintenant, quand t'es flic, t'as plein de... Même s'il y a personne, tu peux jouer. Ouais, je sais pas ce qu'il y a, mais là, j'ai plein de lags, sa mère. Alors, bon, si on va laisser les bleus. Donc, a priori, il y aura un homme armé quelque part. Ah, va le trouver, toi. Ça va être coquin. Moi, je sais à quoi il ressemble, mais... Sur le K9, ouais. Ah, le K9, il y a plus de script à jour hein, pour les K9, il faut le faire soi-même. Enfin, c'est faut partir d'une base et modifier pas mal de choses. Il n'y a pas un qui a fait un script à jour. Putain, mais j'ai des lags, sa mère, hein, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'ils ont touché encore? Bon. Pourquoi ça fait ça là? Je sais pas ce qu'ils ont touché, mais ils ont touché quelque chose. Ou alors j'ai un script d'un secours qui s'est mis à sucer, mais... C'est comme le script qui m'avait fait ça. Il y avait un script qui m'avait fait ça. Il a fallu que je l'arrête. Il était trop bien, mais d'un seul coup, il s'est mis à pomper, mais un truc de fou. Pourquoi Spike Strip, il pompe là, alors que j'ai pas une seule... Faut que je regarde celui-là, là. Oui, il pompe, c'est pas méchant, mais... Après, je manque d'espoir vu que mes devs m'abandonnent. Comment ça, ils t'abandonnent? Ah non, la mise à jour. Ouais, je pense qu'ils ont dû modifier quelque chose, ou alors le pilote Nvidia n'est plus à jour, ou il y a quelque chose. Bon, alors. Le problème de ce call-out, c'est que le mec, après, il part n'importe où, quoi.
Et voilà quoi, après faut le trouver quoi. Alors ça dépend, des fois le mec il est agressif, des fois il est pas agressif. Donc tu peux le croiser, il t'attaque, mais tu peux le croiser et qu'il se passe rien quoi. Donc moi je sais très bien la tête qu'il a, mais. Les copains flics ils savent pas forcément quoi. Alors je sais pas ce que ça donne en stream, mais moi j'ai des putains de ralentissements. Je vais aller voir si Nvidia ils ont mis à jour leur pilote, mais. Ah, je sais pas du tout si c'est 5PD, je l'ai pas ouvert. Je sais pas du tout comment c'est fait dedans. Là, ils appellent ça des call-out, mais enfin, c'est un vulgaire script comme pour 5M, hein, qui fait la même chose qu'un call-out de chez l'SPDFR, quoi. Donc, je pense que les deux sont pas compatibles. Il va falloir tout adapter. Il faudrait que j'ouvre un script de 5 Police Department pour voir exactement comment ça fait. Je sais pas, il faudrait que je vais chercher sur internet. Savoir si je peux prendre des call-out. Mais bon, des call-out, on en a déjà pas mal, quoi. Hein. On a les mecs ivres, on a les mecs qui ont volé des voitures, on a les mecs qui ont des voitures accidentées, on a les mecs qui ont plus de lumière, on a des mecs armés, on a les mecs qui font des braquages, on a. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Des bagarres. On a. Des coups de feu. On a tout ça, quoi, déjà. Il y a de quoi déjà occuper les flics quoi. Et après, il va falloir que je réfléchisse à essayer de trouver un peu le même système, mais pour les pompiers et trucs comme ça quoi. Franchement, je sais pas pourquoi mon PC est lag là. Salut Xford. Je sais pas ce qu'a fait 5M. Attends, je vais. Merde, ça va le faire. Je vais aller voir mon gestionnaire des tâches. Ils ont touché quelque chose parce que là, c'est un enfer. Ah, attends. Ouais, le stream, ouais, mais ça va être fait même, hein, derrière quelque chose. Ouais, bah, je suis bien, voilà. Processeur 50%, mémoire 80. La carte graphique 90%, tu m'étonnes. Je fais sucer à mort. Ah, véhicule sans feu, derrière moi, regarde. Oui, là. Vas-y, vas-y, passe, passe. Ouais, c'est vrai que la nuit, c'est face. La journée, c'est difficile de voir les véhicules sans feu. Donc, quand il va freiner, il aura plus de feu. Ah, il a que le clignotant, il n'a pas de frein arrière. Dispatch devant William Luthé. Dispatch, 20 minutes, unité à faire procéder à un contrôle à un véhicule qui a pas de feu. Alors, est-ce que durant mes presque 2 jours d'absence, Raven a cassé mon script? Bah, si, il y a des feux. Oh! Allez, un stop! Ça va être devant qu'il n'y a pas de feu. Ok mon pote. Alors, ce que tu vas faire, tu vas te garer sur le côté mon gars. Voilà. T'es gentil. 20 William 06 passe en contrôle d'un véhicule en excès de vitesse. Faut se méfier parce que des fois ils se mettent à tirer ces PD là. Alors, maintenant je suis très très méfiant, ils me font peur maintenant en fait. Des fois ils deviennent super agressifs, tu sais pas pourquoi. Et c'est pas tout le temps au même moment, des fois c'est de suite, des fois c'est au bout de 30 secondes, 1 minute, c'est une horreur. C'est super stressant. C'est qu'à tout moment ça peut défaurer, et puis tu vas pas sortir tout le temps avec le pétard à la main quoi. C'est trop bon. Alors déjà on va vérifier votre véhicule, monsieur. Est-ce que vous savez pourquoi je vous arrête? Vous venez de griller un. Vous venez de franchir un stop, monsieur, hein, sans marquer l'arrêt. Au taser, non, tu sors pas avec l'arme en main quand même.
Non, non, pas avec l'arme en main, tu fais un contrôle de police. Donc la voiture, c'est bon. Et le gonze. Le gonze, il a rien, il a déjà été cité, mais rien de particulier. On va voir s'il est coopérant. Un petit monsieur, vous avez bu un peu d'alcool? Un seul verre? C'est en Amérique ou pas? Go Touchka pour marcher. Oui, par contre, la Touchka, le problème, c'est que si jamais t'as besoin de sortir ton arme rapidement, il faut refaire K vite, 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 quoi. C'est ce que je veux dire? Est-ce que vous avez consommé de la drogue, monsieur? Non, d'accord. Il y a des choses illégales dans votre véhicule? Ah, ouais, ça, c'est moi qui ai mis ça. À part les 13 morts dans mon coffre. Ah, vous êtes comique, monsieur. Est-ce que je peux fouiller votre véhicule? Il n'y a pas de souci? Ok, ça marche. Je vais fouiller votre véhicule, monsieur. Ok. On fait un petit dépistage d'alcoolémie et de drogue, monsieur. Vous avez soufflé dans le biniou. Merci. Ça, au lieu de faire ça, 002. Ah ouais, il a bu qu'un verre. Hein. Il est petit, il est petit. Et monsieur a fait un petit dépistage de drogue. Bon, tout est en règle. Je vais dresser une contravention, monsieur, pour la. Ouais, j'aime bien l'anime, moi. Ouais. Bah ça c'est comme c'est l'anime pour fouiller les poubelles, c'est la même anime pour tous. Hein. Bon, une contravention pour le stop, monsieur, on est tranquille. Hein. Franchissement d'un stop. Par contre, j'ai pas validé. Tenez, monsieur. Ah, les tickets. Ah oui, d'accord. Voilà, monsieur. Allez, pouvoir prendre la route. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Waouh. Putain! Vous avez pas animation? Ah, après, je sais pas comment ça marche, votre truc. Franchement, je sais pas comment c'est. Bah, c'est pour 5M, donc ça doit être à peu près la même chose. Ouais. Full download, j'arrive pas à recompiler. À recompiler. Je vois pas comment ils sont les scripts en fait. C'est pas des scripts où tu peux ouvrir avec des. C'est du LUA et tu vois tout ce qui est écrit dedans et. Des DLL! Ah ouais, c'est même pas personnalisable. Enfin, si, pour l'ouvrir, c'est. Putain, faut quoi pour l'ouvrir? Ah, je sais plus ce qu'il faut, mais après, il faut le recompiler. Ah, ça je sais pas faire. Alors là. Mais tu vois, parce que j'ai deux scripts en DLL, moi, que j'aimerais bien trifouiller parce qu'ils sont pas super optiques, j'aimerais bien les modifier à mort, mais je sais pas faire. Je sais pas faire. Donc ça, il faudrait que j'apprenne à le faire. Parce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai. Bah, ce sont des scripts qui tournent. Hein. Des scripts qui tournent et qui sont pas optiques, ça se voit. C'est simple, regarde, t'as celui-là. Le truc du lapis, voilà. Le truc du lapis, je peux pas l'ouvrir, c'est du DLL. Et il y en a un autre, c'est lequel, je sais plus c'est quoi. Et du coup, c'est chiant, tu peux pas. Tu sais, je peux pas mettre mon grain de sable dedans, je peux pas. Parce que un script d'origine, il est pas forcément comme. Dispatch 2h10. À l'écoute. Tu peux. J'ai affaire à un véhicule qui ne va peut-être m'éviter. Retransmettez véhicule qui ne veut pas arrêter de m'imiter. Tu auras pu surimiter. Faut vous appuyer sur le bouton imiter sur votre tablette. Et il arrêtera. Ma tablette, elle veut afficher. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour me planter? Vous faites bien la combinaison pour la tablette Alt-G? Vous êtes bien sûr. Je sais pas. Ah, vous avez dû ouvrir un autre menu pendant ce temps-là, peut-être? Je vais le relancer, bougez pas. Ah bah non, il faut que je remette. Ah, après, il faut que je remette tout le monde. Oh putain. Bon, bouge pas. Putain. Comment ils font pour planter les menus, je te jure?
Alors, il faut que je remette 4, 7, job, 4, police board, lui, il est shérif. Maxwell, vous êtes officier 30? 21? Il est quoi lui? 5. Donc on va le mettre. 5. Et moi, 6. 6. Voilà, vous n'avez plus qu'à refaire le contrôle et avant tout devrait rentrer en ordre. TAK-9 est... Voilà, TAK-9 à toi, sur... ouais, sur votre liste, ouais. Je suis amoureux, j'ai mis salive. Il salive, c'est quoi il salive? Salive? LS Live? Ah, le menu en rond, c'est ça que tu veux dire? Non, c'était quoi ça? Je me rappelle plus, non, c'est pas ça. LS Live, je connais pas. Ça me parle pas. Bon, bah, je crois que le mec avec son arme, il s'est barré, hein. Il doit être quelque part, hein. De toute façon, c'est un PNJ. C'est des arbres. Ah oui. Bah moi, je l'ai mis sur la route 68, en fait. Attends, regarde. Moi, c'est sur toute la route 68, ici, tout le long, là. Tout là, elle est complètement modifiée, des arbres tout le long. Ouais, c'est vrai que c'est joli, ouais. Mais ça consomme pas? Ça s'use pas? Parce que j'avoue que la route 68, là, comme elle est là, elle est magnifique. Après non, enfin c'est du mapping, hein, donc si le mec c'est pas un ouf. Merci pour le follow d'Azor, c'est sympa. Ouais, c'est sûr, mais si c'est bien fait, si t'as pas 200 milliards de trucs, genre il a mis 2000 objets, ça passe quoi. Faudrait que j'essaye. Oh bah je prends le trou. Ouais, le casque et le casque. Oh jeune. Merde, il est où? Alors, bon, ça t'explique, on va pas se mettre là. Tiens, tu vas me suivre déjà pour commencer. Allez. Voilà. Et on va se mettre après. C'est ton comico. Ah ouais, bah non, bah laisse tomber, hein, c'est mort. J'adore mon comico. Bon, je déteste être devant. C'est super dangereux. Dispatch devant William Unité. À l'écoute. On cède un contrôle d'une personne qui n'a pas son casque. Pourquoi tu klaxonnes? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'énerves? Bonsoir monsieur, bonjour. C'est la police monsieur, détendez-vous. D'accord, vous êtes en infraction, donc on va vérifier un petit peu vos papiers, hein, tranquille. Voilà, allez me donner vos papiers s'il vous plaît. Pourquoi ne pas avoir pris Vespucci? Bon, les 50 étages là pour rien? 50 étages pour rien, quel intérêt? Ça sert à rien. On peut pas avoir 50 commissaires, on n'est pas 200 000 flics, donc on en a un là. Puis pour ce qu'on fait, c'est bien, la petite garde à vue, 2-3 bureaux. Il y a trop d'étages, ça sert à rien. Les mecs ils se perdent, personne n'y va, ça sert à rien du tout. Aucun intérêt. Tu ramènes personne, tu discutes avec personne, c'est aucun intérêt. Tout le monde reste au même endroit. Ouais, je sais, je l'ai vu l'ascenseur, non, mais je le connais là. Je le connais. Je connais. Vous avez bu de l'alcool, monsieur? Seul verre? D'ailleurs, bien énervé. On n'est pas la drogue non plus.
J'ai pas fouillé sa moto, ça a rien. Par contre, tu vas souffler, mon grand. Dis-moi que t'as de l'alcool. Ah, je détecte pas le mec. Ah, ah, ça va être coquin là. Ah, yes. Zéro. J'ai rien dit, monsieur. J'ai rien dit. Je pensais que vous aviez bu l'alcool. Tant pour moi. Tant pour moi, tant pour moi. Bon. Allez, vous avez juste à avoir une contravention, écoutez. Hein. Tiens, pas. En full RP flic, ouais, tu parles pour amener des PNJ dans des étages. Ouais. Non, je suis pas fan d'un truc à 50 étages. Surtout sur un Fame Police Department où tu joues qu'avec des PNJ. Il y aurait des gens encore, il y aurait plusieurs bureaux, on pourrait le faire, mais non. C'est vraiment ajouter pour ajouter, quoi. Ce qu'on a nos soufis, encore on serait peut-être. Il y aurait 500 personnes, bon. Ouais, là ça commence à être utile, mais. En ce moment on est 3. Hein. Compliqué quoi. Ouais, si j'attends qu'il arrête, il n'arrêtera pas. Hein. C'est moi qui dois lui dire d'arrêter. Voilà, monsieur. Allez, prenez la route. Ne rentrez pas dedans ce coup-ci, s'il vous plaît. Putain de flic, il m'a dit. Le bâtard. Un bâtard. Bon, faut que je quitte Sandy Shore parce que sinon je vais avoir tout le temps des call-out ici là. Comme du PNJ là. Ouais, voilà, on a du PNJ, mais on n'a pas besoin de commissariat là. Qu'est-ce que tu veux faire avec un commissariat en fait? Qu'est-ce que tu fais au commissariat? Sincèrement. Véhicule complètement détérioré. Eh ben ouais, tiens, regarde, il est en face là. Ah ouais, en effet, ouais. Du RP. De ramener le garage dans le centre-ville. De ramener le garage dans le centre-ville. Quel garage? Le garage du mécano là? Oh, la gueule de la voiture. Bah non, en fait le problème qu'il y a c'est que le Beniz, tu peux pas laisser les véhicules dedans. C'est-à-dire si tu t'éloignes, le véhicule tombe et il dépop. Et t'es comme un con. C'est pour ça qu'on est parti du Beniz. Le mec il pouvait pas faire son RP mécano quoi. Dès qu'il sortait du garage, pouf les. Bah oui, parce qu'il y a un mec là. Donc c'est pour ça qu'on a pris le beau garage là, parce qu'en plus il est beaucoup. Et déjà il est pas commun. Mais par contre, comment je vais faire pour le contrôler? Parce que là, je pense qu'avec la remorque, je vais jamais pouvoir le détecter, quoi. On va faire ça, on va tricher un peu. Yes, il l'a eu! Wouah, non mais là, je peux pas vous laisser repartir avec ça, monsieur, c'est pas possible. 20 William 06 en contrôle d'un véhicule feu cassé. Et c'est pour ça qu'avant, on était au Beniz, hein. Et les mecs ont voulu partir du Beniz, on avait le petit mapping devant qui est joli comme tout là. Sauf que tu peux pas faire de RP dedans. La voiture elle tombe. C'est l'IPL, mais elle tombe en fait. Dès que tu t'éloignes, l'IPL se décharge et poum, la voiture tombe. Donc t'es comme un con, tu ne peux plus rien faire. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. C'est nul. C'est nul. Donc c'est pour ça qu'on a mis celui-là et qu'on va garder celui-là. Hein. Pas trop le choix. Bonjour. Oui, peut-être que je dise bonjour en fait. Permis maintenant. Pourquoi je suis en mode colère? Ah non, non, mode cool. Sinon je vais l'énerver et ça partit en couille. Ah, non, faut pas s'énerver. Monsieur, vous avez vu l'état de votre véhicule là? Vous avez une roue crevée? Manque une porte? D'ailleurs, le quartier femmes, ouais, je vois ce que c'est. Ouais. Ça veut dire qui FPR?
Fichier des personnes recherchées. Ça va pas, je vais pas pouvoir vous laisser repartir avec cette voiture là, monsieur. C'est votre véhicule? Allez, bon courage, Inox. Puis il est bien hein, le mécano excentré comme ça, ça change justement des trucs toujours pareils quoi. Sinon, je mets le truc au milieu comme tout le monde a pour les voitures, le truc les petits ronds à droite comme tout le monde a, et on fait le même serveur que tout le monde quoi. Ce qui est pas mal où il est. Hein. Et là au moins tu peux travailler quoi. Puis le truc tout en couleur là, enfin, le truc que tout le monde a quoi, c'est tellement commun. Et du coup, je me souviens même pas si ce qu'il m'a écrit. Ok, y a rien. Ah, 6 citations, faut que je fasse gaffe là. Le mec à tout moment il part en couille. Je suis désolé monsieur, vous allez devoir repartir avec un de nos agents et vous expliquer pourquoi. Tu as fait un fichier SQL pour ta white K9 ou tu l'as mis... Non, c'est directement dans le K9. Directement dans le K9 qu'il faut que je le whitelist. 20 William 06, je suis en présence d'une personne qui est inscrite au fichier des personnes recherchées. Je demande une unité en renfort pour procéder à son installation. You. Il y a Maxwell qui est là. Il est où Maxwell d'ailleurs? Ah. 30, vous pouvez vous dépêcher sur position de 06, on est sur bord d'autoroute. Merde. Je vais plus vite si on change. Alors attends. Hop. Allez, sortir du véhicule s'il te plaît. Voilà. Ne te fâche pas. On va essayer. Par contre, le motard là-bas il m'inquiète, c'est quand je vais le pointer. Il risque de partir en couille. Alors on essaie de faire vite, discrètement. Voilà, il n'a pas réagi l'autre. J'ai pas envie qu'il réagisse là-bas. Me noter. Voilà monsieur. Je suis désolé, vous allez devoir vous expliquer au central. Non, c'est pas ça. Demander un transport. Et je vais en faire quoi de votre remorque, monsieur là? Oh putain, comme j'avais pas pensé à la remorque. Je vais en faire quoi de sa remorque? Tu sais quoi? Je vais déplacer le truc, je vais garer la remorque sur le côté et je vais appeler une épaneuse. On va faire ça. Je vais attendre que lui il parte. Il est où le panier salade là? Il est là. Ah monsieur, vous avez expliqué au poste avec les... Oh. Par contre, je sais pas s'il va passer. Aïe, je suis pas sûr qu'il passe les trucs. Aïe. Bam. C'était sûr. Va doucement, t'as déjà cassé bien ton camion. Voilà, tranquille. Ah, tu t'arrêtes là, d'accord. Voilà monsieur, vous allez devoir aller là-bas. Pourquoi j'ai mon arme là? Attends toi moi. Ah, il va pas pouvoir y aller. Il va taper le mur. Si? Eh ouais, putain. Je vais vous aider un petit peu monsieur. Je vous aide un tout petit peu, regardez. Hop, allez, hop. Non, je vais juste vous aider, voilà. Hop, comme ça. Voilà, super, nickel. Voilà. Allez. Oh. Elle est où la remorque bateau? Bah ça m'arrange, à vrai dire. Non. Essaye pas de tourner. Pff, allez. Les regarde même pas. Attends, je vais me mettre un peu sur le côté là parce que là. Ah, mais je peux pas. Eh ouais. Attends, faut que je mette fin au contrôle. Ouais. Voilà, ça libère la voiture. Ah. Allez, on va l'éclater la caisse.
Attends, je vérifie s'il n'y a pas un dépanneur quand même. Mécano. Appelez mécano. Pas de dépanneur. On va appeler Bob. Hey Bob! Bob l'éponge! Il se passe devant William Unité, on attend le dépanneur sur place pour récupérer le véhicule. Donc voilà, écoute, en attendant qu'il n'y a pas de joueurs, bah les flics s'amusent comme ils peuvent, hein. En attendant qu'il y ait des joueurs. Donc, pour information, la personne a été placée en attente d'arrestation pour mandat de recherche sur la personne. On attend le panier à salade et la... Le panier à salade. Je sais pas comment l'appeler. Je sais que les flics appellent ça souvent un panier à salade, mais... Pourquoi j'ai... Elle est où ma dépanneuse? Ah, tranquille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge plus. Elle fait demi-tour. Elle n'est pas dans mon sens. Le panier à salade. Je reçois plein de trucs YouTube. En ce moment, les YouTubeurs, ils balancent des vidéos. Hein. Les mecs, ils, tu le vois, hein, ils sont obligés de balancer des vidéos genre à certaines heures, à 19h, à 16h, je sais plus quelle heure c'est. Y arrive ou pas là? Ah oui, ça va. Oh non, elle va taper pareil. Ah non, lui il est moins con, tu vois. Bah c'est pas un flic, il est moins con. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle cette ambulance, je la kiffe à mort. Cette ambulance. C'est dépanneuse, regarde-moi ça. Je comprends pourquoi les dépanneurs ils s'en servent pas tout le temps de celle-là. Elle est magnifique. Allez, on prend du service. Bon, est-ce que je peux partir de Sandy Shore ou pas? Après, les call-out, c'est entre 5 et 10 minutes, donc... Après, regarde, il suffit de faire ça. Hop, fini, désactivé. Je sais pas pourquoi c'est RE, d'ailleurs. Ouais, je mets autre chose que RE. RE, c'est le truc d'origine. Le Z. Hein. RE, qu'est-ce que ça peut être RE? En anglais, évidemment. Je sais pas. Franchement, je sais pas. On va faire plein sur une station qui est pas répertoriée. Les stations, en fait, ça marche avec le, avec la pompe. Ça marche pas avec le symbole ou quoi que ce soit. Il suffit que tu sois à côté d'une pompe et la pompe fonctionne. Ça peut être pratique. C'est bon à savoir. Ouais, je pourrais rajouter une icône sur ça là. Ben, je sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin, maintenant le son il va plus, il met du temps à se lancer. C'est... Ça le faisait pas avant ça. Ils ont trifouillé un truc avec les sons, je sais pas quoi. Ah, voilà. Aïe. Ah, yeah. On... Ça c'est le K9 qui fout la merde. Donc on va, stopper le K9. Tac. Et voilà, ça le fait plus. Il faut que j'aille couper ou changer cette touche. Qu'est-ce que je peux mettre comme touche avec le K9 quand tu pointes quelqu'un? C'est... Fais voir si ça marche. Attends. C'est bon, monsieur. On va pointer quelqu'un. Donc, si je fais C... Voilà, C, ça fait rien. Voilà. On va faire ça. C, il n'y a pas de touche dessus. Ah, mais attends, est-ce que j'ai accès à la touche, au moins? Ça, c'est moins sûr. Alors, hop. Je m'en rappelle plus trop des touches. Si c'est on a ou pas. Alors, le petit K9, où es-tu mon K9? Ici. Alors déjà, normalement, j'ai supprimé le Shift L déjà.
pour pas que ça vienne. Quoique non, je l'ai pu supprimer parce que j'ai changé la touche. C'est Alt L. Apparemment, je l'ai pas enlevé. Alors attends. Toggle cadavre, c'est pas celui-là. Follow. Toggle véhicule, toggle attaque. Alors, qui déclenche celui-là? Ctrl F, rechercher celui-là. Voilà. If ball. Ok, faut qu'il y ait une cible en fait. Et c'est 38, c'est E. Ok. Est-ce que j'ai des touches ou pas? Non. Non, ok. Attends, on retourne là-dessus. On va juste ouvrir un truc où il y a les touches. Celui-là. Je ne le connais pas par cœur. J'ai pas envie de les chercher pendant 15 ans. Alors, est-ce que j'ai C? Bla 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 bla. C, 26. Voilà. 26. Hop là. Ça c'est pour faire suivre. Il faut que je rajoute ça aussi, c'était pour la voiture. Pour dire qu'on ne puisse pas le faire en voiture, c'est dans quoi? C'est pas ici. C'est dans le script de. Alors, puis je me rappelle plus. Release and make, c'est celle-là. Attends, c'est quel menu que j'arrive à ouvrir quand je roule avec la manette qui est pas compatible? C'est. Attends, je vais le faire, ça va être vite réglé. C'est. Attends, c'est quand je. 20 William 0619. Voilà, c'est quand j'accélère et que je fais ça. Quand j'accélère, je fais toujours le bas. Voilà. Ça ouvre mon Alt L. D'accord, Alt L. Alors. Le mec qui a fait le canaf est à niquer. Pourquoi? T'es fou, il est super bien le mec. En plus, sur le forum, il aide vraiment les gens, quoi. Bon, maintenant, il le fait plus, hein, parce qu'évidemment, il a... Comment ça s'appelle? Je dois avoir un pet pour sortir le chien. Tu dois avoir un pet pour sortir le chien? Ah, mais parce que tu l'as bloqué. Oui, d'office, il vérifie que tu as, comment ça s'appelle, que tu as bien le skin police. Mais ça, tu peux l'enlever, ça. Moi, je l'ai enlevé. Hein. Tu peux l'enlever. Hein. Tu lui dis qu'il vérifie pas les pads. Et comme ça, t'es tranquille. Parce que là, t'as dû le laisser d'origine où il vérifie. Alors, je sais plus où c'est. Franchement, je sais plus où c'est. Mais quelque part, ouais, il vérifie si tu as. Ah oui, avant je mettais un revive pour pas que ça tue les mecs. Pour les relever. Mais maintenant ça va, il est un peu moins violent. Fivem a dû lancer quelque chose. A dû changer quelque chose hein, parce que moi j'ai rien modifié. Les attaques. Ah oui, suivre le chien était plus bon, il a fallu que je modifie tout. Hein. Que le sien ne suivait plus. Qu'est-ce que je suis venu faire quoi là? Oui. La touche quand te fait Alt L. Alors attends, c'est où ça? C'était pour. Putain, c'était pour interroger les gens. Mimi, de toute façon, on s'en fout. C'est où ce truc? Attends, on va faire plus simple, on va aller dans le menu. Voilà. Hop. Donc, le menu qui s'ouvre, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Contre, c'est celui-là. Voilà. Qui ouvre ce menu?
Voilà. C'est ici. Donc, et on va lui faire un petit... Hop là! Et comme ça, tu me feras pas chier. Tac. Voilà. Normalement. Normalement. Si je me trompe pas. Hop. J'espère que... Est-ce que quelqu'un est en contrôle ou est-ce que je peux relancer la tablette? William 06 en contrôle. Ok. Tu me diras quand tu as fini? Oui, je te dirai. Il y a un call out au Yellow Jack. Bon, même si tout le monde a lâchement abandonné le serveur en ce moment, ça va leur faire bizarre quand les trucs ils vont se déclencher. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? T'as hésité en fait, gauche droite, je savais pas trop là. William 06, contrôle. Alors, on va relancer. Tac. Alors, 6, 5, 4. Alors, est-ce que... Voilà, ça le fait plus. Ok, c'est bon. Il n'y a plus de... Normalement, la manette ne devrait plus déclencher certains menus. Oula, deux, faut que je mange, sa mère, j'avais pas vu. Faut que je mange et que je bois là. Voilà. Salut la marchoise. Salut, salut. La marchoise. Pourquoi je suis en plein phare? Et si on se mettait en contrôle et le premier PNJ qui passe trop vite, on le contrôle. On va faire ça, regarde. Hop. On va se mettre... hop. Tac. On va mettre l'arrière. On va le mettre dans le sens opposé. Toggle speed. Bah voilà. Non, c'est 80. On va mettre 85. Voilà. Allez. 69, année érotique. Comme par hasard, ils vont tous se mettre à respecter, dis donc. Je sais pas si je vais l'avoir celui-là. Si, c'est bon. Par hasard, hein. Là, c'est évidemment. Qui va rouler vite.
un truc de malade quand même. Faut que j'aille faire du sport. Je suis à 68 de sport là. Faut que j'aille faire du sport. Bon. Mais tant pis. Non, je crois que. Ils sont pas décidés à. À faire ça. Ouais, transmettez, dis pas, je suis absenté. William. Là, on n'a pas reçu, on a juste entendu William. Prise de couille en William. Disquette. Putain, mais. Wouah! Ça m'a fait peur ce con, je croyais que j'aime le taper. Ah merde, j'ai pas mis la musique. Bon, ça a rien de son terrain de sport, il y a de la musique. Putain, mais j'avais jamais fait gaffe le basse hauteur là. Ouais, si tu passes en camion là, tu t'exploses et c'est même pas marqué, c'est pas signalé, rien. On va mettre un panneau quand même parce que là, c'est pas où. Hein. CTA. Tac. Dispatch devant William Unité, on se rend à la séance d'éducation physique et sportive. Et ouais, pour pouvoir courir après les crapauds, il faut faire du sport, hein, sinon tu cours pas après eux. Enfin, tu cours pas longtemps en tout cas. Il faut faire du sport là. Je me tape tous les feux rouges. Sans ambiance, ma petite dame. Eh, bonne journée. Dispatch de 03. Transmettez. Je suis sur un véhicule. À 030, on a compris, vous êtes sur un véhicule, c'est ça? Je suis devant un véhicule mal stationné. Ouais, 10-4. Allez! Allez, poussez un peu de fonte. J'ai personne, parfait. Il faudra laver ma voiture aussi parce que là, elle n'est pas très très digne du corps quoi.
Là, on dirait un petit peu les. On dirait la police de campagne, quoi. ouais, en cas, tu peux peut-être te mettre en tenue de sport, non? Ça peut être sympa. Je te jure. HP, HP, HP. Sport, parfait. C'est parti. Plein poteau, pas mieux. Alors, avant toute chose, il faut s'échauffer. Ça, c'est obligatoire. Alors. De 030. 030, transmettez. Je vais vous rejoindre à la séance. À 10-4. Allez, on va chauffer un peu les bras. Ah, on peut mettre on peut mettre une petite chanson, c'est sur la borne. Elle est où la box? Elle est là. Ah, je l'avais pas. Elle est là. Huche. Comment mettre un if en négation? If, espace, note. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire exactement? C'est quoi ta phrase? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Retire sa restriction de PD. De PED? Ah, mais non, mais c'est juste dans ça va être dans le fichier config, hein. C'est dans le fichier config. Tu mets qui met pas les qui vérifie pas les PED et ce sera réglé. Putain, c'était où? Attends, je vais regarder. Alors, après, on a peut-être pas le même, hein. Après, putain, j'ai tellement modifié le truc. Alors, ça se trouve, il est même plus dans le mien. Ouais, je l'avais viré. Alors. Voilà. Tac. Hop. Donc, dans la fichier. Voilà. Dans la fichier config, moi j'ai ça là. K9 config. Oh putain. Open menu restriction. Tu mets false, c'est fini. Non, dans les fichiers config, t'as ça là. Voilà. Tout simplement. Ah, c'est un collègue qui arrive. Et où? Waouh! Moi, je l'ai vu traverser le truc. Pourquoi il prend une tenue ici alors qu'on a des tenues de sport toutes faites? Ah oui, d'accord, j'ai réussi. Je vais trop loin dans ma tête que c'est de faire des trucs.
Ah non, des fois, chez config, le mec, il a déjà tout prévu. Ah, il va nous mettre de la musique. Il va nous mettre de la musique, c'est sûr. Il va à la borne. À la borne. À la box. Huch. Allez, hein. Bien s'échauffer hein, d'abord, attention, hein. Pas se blesser. Ah merde, je cherche à chuter. Faut bien s'échauffer d'abord, hein, ne pas se blesser. Hein. Oui, vous inquiétez pas. C'est ça que j'ai couru juste là. Pourquoi j'ai pu accès à ça? Voilà, c'est bon. Ouais, 10-4, dispatch pour information, on est deux agents à éducation physique et sportive. Ouais, c'est 10-4. Ouais, un peu de traction. Alors, est-ce que je vais réussir à me mettre bien ou alors je vais faire des tractions en Wi-Fi? Je suis pas assez enfoncé là. Ah, attends. Tac, tac. Ah, je pense que c'est. C'est pas mal, là. Ah, on essaye. Ah, dommage. Ah, dommage. J'ai les tractions en Bluetooth. Je suis pas loin de la barre, quand même. Je suis pas loin de la barre. J'ai entendu pouet pouet, je pense qu'il y a un collègue qui arrive. Ah. Oh putain, soif moi. Magasin, eau plate. Powell, Powell, c'est bon ça non? 2, 3, 4, 5. Alors. Powerhead. Ah, j'ai pas mis de son sur celle-là. J'ai pas mis de son. Faut que je fasse. Ah, je vais te faire les bras. Alors, encore faire un peu les bras. Ah, je peux pas. Faut attendre un peu. Mais merde, j'ai coupé les call out moi. Désactiver, bah non, réactiver, bah oui. Mais de toute façon, je suis pas en voiture. Les call out ils s'enclenchent quand t'es en voiture. Pour te laisser tranquille en fait. C'est que t'es pas prêt. Si t'es pas dans ta voiture, c'est que t'es pas prêt à patrouiller quoi. Enfin, ou à faire des choses. Donc en fait, tant que je suis là, je risque pas d'en avoir. Je suis tranquille quoi. Wouah, chaud là. J'arrive pas pour la musique. C'est parce que tu dois mettre des liens YouTube qui sont comment ça s'appelle? Qui sont copyright. Presque tous les liens copyright sont bloqués. YouTube, il est pas con. Hein. Il va pas te laisser faire. Faut que tu récupères la fin là après le égal du lien YouTube et la presque tout ce qui est copyright ne passera pas dans la borne box. Ça fait la tenue BCSO. Eh bah, ben, il fait une chaleur.
commencer à se feinter, chérie. Ah ouais, là, faut penser à s'hydrater, les gars. Ça va, vous inquiétez pas, moi, ça va. Eh non, mais faut que t'en trouves. Il est tout jeune, hein, shérif, hein. Faut que t'arrives à en trouver une qui passe. Il y en a peut-être un qui passe, hein. Il faut que t'en essayes une qui passe, mais là, je te garantis rien. Ou alors, tu le mets sur ton TS. Avec le petit plugin, putain, je sais plus comment il s'appelle, Soundboard. Tu télécharges la chanson, tu mets sur Soundboard, tu l'envoies sur TS. Tu veux quoi, Eye of the Tiger? Attends, allez, je vais te le faire. Regarde, ça va aller vite. Hop, il faut que j'aille le télécharger d'abord. Alors. Tu vas sur YouTube to MP3. Hop. Tu prends le lien YouTube de la chanson, donc Eye of the Tiger. Hop. Tu prends l'official ou juste l'audio, voilà, juste celle-là. Voilà, copier, tu fais ça, coller, convertir, voilà, ouais bah dis donc, t'as mis du temps, voilà, download, oui, enregistrer, je vais le mettre sur mon bureau. Il est où? Il est où, coquin? Il est là. Alors, couper. Hop, hop. Coller. Et donc, mon soundboard, il est où, moi? Ah! Je sais pas où il est. Merde. Je l'ai supprimé ou pas? Ah mais je crois que je l'ai supprimé, je crois. Attends, c'est vraiment TS, il est où? Plugin. RP Soundboard. Open Soundboard. Voilà, il est là. Alors, no file. Donc, ouais, alors, choose a file. J'ai dit, sur le bureau, et il s'appelle Eye of the Tiger. Il est où? Mais il est où? Ah merde! Faut qu'il soit en OGG? Non. Non, me dis pas ça. Setting. Configuration. File. Ah non, il s'appelle Survivor. Voilà, il est là. Voilà. Ouvrir. Je vais pas le mettre sur une touche. Hein. Voilà, c'est parti. Non, je me mets en fort. Si vous cherchez... Ah, allez-y, chérie, montrez-nous. Attention. C'est pas loin, hein. Voilà, c'est ça que je veux. Ha ha ha.
le type, il essaie tous les trucs. C'est bien, il fait de la guitare. Il l'a sorti d'où ta guitare? Elle était cachée dans ton sac à dos? Putain, c'est trop bon ça. Oh non! Oh le gâchis! Oh la vache! Allez, chérie, vous allez avoir une petite amende, hein. Trouble à l'ordre public. C'est pas moi. Regarde, je prends mon pouls. C'est qui, hein, votre ami, chérie? Vous allez avoir une amende, attention, hein. Allez, Highway Patrol, yeah. Oh, ouais, chérie, tu risques de craquer ton site là. Ah, là, va falloir que j'arrête là. C'est bien, vous vous arrêtez quand la musique s'arrête, c'est bon timing, hein. Ah, ça fait exprès. Je suis plus encouragé, là, là ça m'a calmé. Bon allez, petit étirement par là-dessus, on n'en parlera plus. Un petit poisson. Oui, je sais bien faire le poisson, chérie, regardez. Petit poisson. Je sais bien faire le poulet aussi, si vous voulez. Ah, oh là, non, c'est plus ridicule. Mais allez, faites voir. Regardez. Pop, 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 pop. C'est la danse des canards. Nananananana. Ouais, attendez. Allez. On se défend, ça, dans la Speedy, hein. C'est clair. Ouais. Voilà, allez, étirement, on en parle plus. Every corner of Los Santos. Bravo! Oh la vache! Jamais. Ah ouais, c'est un peu dégueulasse quand même, hein. Il manque plus que vous, chéri. Ah non, 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 moi je vais me tenir, moi. Ouais, oui ou quoi? Allez, je vais à la douche. Tan tan tan. 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 Tan. C'est laquelle, la mienne? Je crois que c'est la première, hein. Oui, cette plaque me dit rien. Alors là, faut tricher un peu parce que le... Tu te déshabilles, le IP va s'enlever et tu vas remettre ta tenue d'origine. Donc là, la petite triche, c'est de faire retirer haut et retirer bas. Tu te retrouves en caleçon. Ah, et mon chapeau, évidemment. Ça, j'avais pas pensé au chapeau. Voilà. Et oui, ah putain, j'ai oublié. Et retirer ces gilets, je crois. Parce que sinon, ça met... Et putain, c'est quoi ce truc-là? Je me rappelle plus, la ceinture, c'est quoi?
Parce que là, c'est un peu con là. Beau caleçon, hein? Beau caleçon! On a toujours son pétard dans la police à la main, toujours. Faites toujours attention, on met son holster, toujours bien comme il faut. Tac! Putain, peut-être que je la vide la voiture aussi un jour. Hein. C'est pas comme s'il y avait des choses dedans quoi. Alors, hop. On va se faire un petit vêtement. Chérie, vous voulez une éponge pour votre véhicule parce que, on va pas se mentir, il est un peu dégueu. Ah, on est bien d'accord. Oui, que j'aime. Non mais ça c'est le fait d'être monté hein. Je vais aller non je vais le nettoyer, vous embêtez pas. Je vais aller au lavomatique. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vous qui avez le plus dégueulasse là. Mais y a pas bah y a plus de recrues donc sinon j'aurais trouvé quelqu'un pour nettoyer ma voiture mais bon, je vais aller au lavomatique, ça sera mieux. Ah non, il y a plus, c'est dommage hein. Après il y a 30 qui est jeune officier après hein. Ouais, mais il est déjà bien subi. On va pas l'embêter. Ah, bonjour madame. Ah, on est à côté de la plage, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ah bon, on est bien là, hein, on est bien, on est bien. On est bon, bien. Je vais prendre ma douche, moi, et retourner en service. Vous gardez le dispatch ou pas? Non, allez-y. Hein. Vous gênez pas, shérif, là. Non, mais c'est. Je regarde la voiture là-bas, il y a une voiture un petit peu plus loin. Oui, bien sûr, shérif. Et voilà, je regarde le collègue, il y a le collègue au bout là-bas. Je vois le collègue oui, qui passe. Je le vois aussi, pas besoin de jumelles hein, pour le voir. Et ouais, mais c'est mieux quand même. Là, je peux voir s'il a bien mis sa ceinture, s'il a bien respecté les règles et tout, quoi. Ah bah, il est plus là, le collègue. Vous regardez quoi maintenant? Et bah là, j'ai du mal à les enlever. Ah bah, les chérifs, je croyais pas comme ça. Ah mais on est un homme, hein. Avant toute chose, hein. Avant d'être policier, on est un homme, hein. Eh merde, j'avais même pas fermé ma voiture, marche humain. Allez. On va nettoyer la voiture, c'est vrai qu'elle est dégueulasse. D'être montée là-haut là. Ça m'a tout sali la voiture. Pourquoi écrit le monsieur là? Celui-là d'exemple. Après, c'est vous qui voyez le mal. Hein. Moi, je m'occupais de mon collègue. Enfin, vous voyez le mal partout aussi. Moi, j'y peux rien. Parce qu'il y a une femme en maillot de bain que j'en ai à foutre. Moi, je regardais les autres voitures. Hein. Ça va, un cul, c'est un cul. Hein. C'est bon. Hein. On a vu d'autres. Hein. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Nox? Je vais regarder ce que c'est. Je t'ai envoyé en IMP, tu diras voir tout à l'heure. Alors, call out fire. Alors, ils ont carrément fait un site pour les call out sur Fire. Oh, mais nous on a déjà des feux. Pourquoi tu veux que je fasse un call-out? Il y a déjà ça. Qu'est-ce que je me fasse chier? Ils les ont déjà. Ah oui, d'accord. Il y en a pas. Attends, fais voir. Download. Tu as des idées là, attends. Ouais, non, mais en pompier, le feu, ils les ont déjà. C'est dans quoi qu'il faut regarder? J'étais à 5 download. Dans 5M. Dans 5 police? Ah, attends. Ah. Welcome dans Fire Police Department. Que je voyais comment c'est fait, quoi. Dispatch de 032, je suis sur un contrôle d'un véhicule signalé. Ah, bon, oh, attention, ils sont souvent agressifs. Ah, mais en fait, on peut pas modifier, quoi. C'est le mec, il apporte ses trucs et.
Moi je voudrais un call out, juste voir quoi. Ouais, fait chier, faut les ouvrir mes couilles. Qu'est-ce que tu m'as envoyé d'autre sinon? Ouais. Ah, peut-être plus simple pour lui le mec parce qu'il s'est bien bossé là-dessus, mais c'est vrai que ça limite un petit peu là. William 06, je procède à un contrôle d'un véhicule avec une conduite extrêmement dangereuse. With too many cables. Ouais, je pense pas que ce soit le problème de place, mais peut-être que c'est plus optimisé ou je sais pas. Mais à l'intérieur, ça aurait été écrit comme un. Moi, il m'en faudrait déjà décompiler, parce que je ne sais pas décompiler un fichier DLL. Juste voir comme c'est écrit. Alors, car callout, updated. Moi, je veux juste voir comme c'est écrit en fait. Alors, image. Pour ouvrir parce que là je suis sûr que je télécharge ça va être des trucs en DLL et du coup je veux juste voir comme c'est écrit dedans parce que moi du coup je les mets pas en DLL, je pourrais les intégrer directement dedans si c'est écrit comme 5MCDIA. Ah ouais, c'est pas du alu en plus. Oh là là. Ouais. Ouais. Du collègue. Ouais, 20 William unité, on sera en force sur la position. Attention, le véhicule est extrêmement violent avec nous. On passe sur un contresens sur autoroute. Hein. Ah bah en plus c'est plus putain, je connais pas trop en plus cette une horreur. Faut activer votre balise Merde. Je t'envoie un MP le bordel. Ah ouais, je pourrais jamais l'intégrer sur le serveur, enfin, ou alors de. On est sorti de l'autoroute, on rentre en ville. Ouais, disquette. Alors, comment tu les modifies En fait, tu peux rien faire quoi. C'est-à-dire que c'est proposé sur une communauté, tu l'intègres et basta quoi. Ou alors, on est sur la petite route qui est juste au-dessus de l'autoroute. Ah merde, il a été à droite. On passe devant la fête foraine. Le véhicule vient de se retourner. Ah, bah ça a réglé le problème. Je vais plus te couvrir. Vas-y, c'est bon, c'est cool. Je procède au menottage. Eh ben madame. Mais les armes, ça fait trop beau. Courir. On va retourner vers vos si tu sais le modifier, car plus le simple que lui a. Mais pour qu'il se lise, faut les recompiler. Ouais. Non mais moi je peux pas le faire. Moi je peux pas le faire comme ça. Donc pour recompiler, c'est qu'il me manque des références. On peut pas compiler avec des erreurs. Ah putain. Ouais, mais moi j'ai pas besoin de le recompiler parce que moi il faut juste que je l'intègre au FireM. A priori, LS Live ça modifie le comment ça s'appelle? Le QG, le commissariat. Si j'ai bien compris hein, parce que j'ai pas été voir. Hein. J'ai pas été voir. Attends, je vais me garer dans un coin et je vais regarder.
Mais ça se trouve, je peux juste intégrer les armes, moi. Tout simplement. Il suffit que je mette pas le comico. Hein. Pour la modifier, il faut compiler la DLL. Ouais, bah c'est mort. Ouais. Vous êtes baisé, ça c'est sûr. Vous êtes complètement coincé. Vous êtes bloqué par ce système. Mais moi non. Moi, il faut juste que je récupère comme c'est écrit et je l'insère dans mon 5M. J'ai pas besoin de recompiler quoi que ce soit, moi. Alors tu m'as dit c'est LS Alive 5M. Fais voir un peu. Los Santos GTA 5 mode. LS Alive. Alors, fais voir un peu à quoi ça ressemble. Accepter. Alors. Attends, il faut que je récupère les fers, c'est à la fixe. Oh, bon courage. Je donne un point rare. Alors, a priori, ça modifie. Ah merde, je vous montre pas. Alors, ça modifie ici un petit peu. Ça modifie ici. Ici, attends, on voit pas bien. Voilà, là c'est modifié. Pourquoi je veux pas descendre? Voilà. Tout ce secteur-là. Secteur-là. Ça modifie pas tout, hein. Ça modifie pas tout. En plus, ça touchera pas à ma route 68. On va voir, hein. Attends. Ça coûte un essai d'intégrer, on va voir. Alors, mission RAW. Voilà, mais ça, il suffit juste que j'enlève. Casino section, Mirror Park. Ouais, si tu veux. Bah, après, sinon, je l'ai là, hein. Always get backup to the fee before saying mode. Allez, ça va, on arrive pas, machin. Mais attends, ça c'est côté serveur ou côté. Côté client? C'était point OIV? Ah, point IV sur le serveur, tu veux pas l'intégrer comme ça, il faut les décompresser entièrement. Faut que je les mette en stream. Ah ouais, c'est super beau, mais j'en doute pas. Sauf que ça soit compatible avec ce que j'ai déjà, quoi. Oh, ça marche, bah, vas-y, envoie-le, Linux. Comme ça, je vais regarder. On va essayer, hein. On va voir les conflits que ça va faire avec le mission RAW. Ça se trouve, juste enlever les fichiers de mission RAW et c'est fini. Hein. Ça touchera pas mon commissariat et ça mettra tout le reste. Ça, faut que je vois comment il est, quoi. Si le mec il l'a bien classé et que je vois de suite. 19 sera la course poursuite. Que je vois de suite les noms qu'il faut. Air can see you the progress of. Tu viens mission RAW et go Vespucci avec ta salle de sport à 3ème étage. Ouais. Après, moi ça me dérange pas de le laisser. Hein. Il y est, Vespucci, autant le laisser. Hein. C'est pas moi qui vais l'enlever, en tout cas, ça c'est sûr. Il est très bien. Si les mecs ils trouvent un intérêt, y a aucun problème que je le laisse. Hein. 18ème 030. In progress. C'est quoi le jaune? Won't be edited. Ne peut pas être édité, d'accord. Et c'est quoi le jaune? Et je vois pas où il est son jaune là. Wow. Ouais, mais justement, je le voyais pas où en fait. Ah, voilà, la carte se charge. Je voyais pas de jaune. Je te l'ai envoyé. Ok, ça marche. On va essayer. Qui tente rien à rien, ça fait. Ça peut pas casser, ça peut rien abîmer. Sur 110 chars? Ah non, c'est du vert. Hein. Pas de jaune en fait. Peut-être qu'ils bossent pas dessus en ce moment. Hein. Ah non, il n'y a pas de jaune. Elle est peut-être pas à jour sa carte, c'est le mec. Peut-être pas. Hein. Parce qu'il a fait. Se comparer, il a fait plus de choses. Hein. Il n'a pas mis à jour parce qu'il avait. Sur sa carte là qu'on a vu, je sais plus où là. Ici là, voilà. Tu vois, ici il y a beaucoup plus de choses comparé à celle-là. Tu vois, il en a fait beaucoup plus déjà.
Putain, le mec fait du beau boulot, hein. Alors, voyons voir. Tac. Qui tente rien, n'a rien. Ellie. Ah, tu m'as envoyé 4 persos. Dis merde. Tac. Ça fait que 2,14 émo. C'est minuscule. Alors, extraire. Hop. Alors, voyons voir. Oula, attends. Ah non, il est pas déjà streamé celui-là là. Il faut que je le stream moi là. Il y a le .wiv.wiv, moi ça rentre pas sur FiveM. Hein. Je peux pas le mettre comme ça moi. Eh ouais. Moi il faut qu'il soit en stream, je peux pas le mettre comme ça. Je peux pas l'intégrer dans le FiveM comme ça. Hein. C'est pas possible. Alors attends. Oh, il va falloir que je crée sur OpenCat. Oh putain, comment ça va? Ah, moi tu les as déjà en stream? Ah, tu les as déjà en stream, c'est le top. Je me casse pas la bite. Ouais, parce que là, tu m'as donné la version. Pas pour 5M. La version. La version. Comment ça s'appelle d'ailleurs? C'est la version pour l'SPDFR. Voilà, tout simplement. Et le mec, il a même fait un site. Putain. Et tout ça, c'est gratuit? Bravo. Bravo. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme mode? Realistic Headlight Mode. 20 William 06, suite à un contrôle, de nouveau un refus d'obtempérer, on est de nouveau en contresens sur autoroute. Ça change de poids, bah ouais, ouais, je comprends mieux, ouais. Move oui. Car Color Mode, TB Graphique 336, Colorex Xenon Light. Ça doit être celui-là, je pense, alors, Picture. C'est vrai, les photos qu'il a fait. Ouais, c'est stylé, hein. On vient de faire demi-tour. Après, il faut voir si ça. Si pour les petits configs ça passe, mais bon, si chez vous ça passe, chez nous ça passe, hein. C'est obligé. Sortir de l'autoroute, on va passer pas loin du coiffeur. Juste mission. À plage. C'est-à-dire. Moi, il me faut juste les armes en fait. Et bon, après, de toute façon, je ferai le tri, mais. C'est déjà tout ce qui est trié. Attends, tu m'en as envoyé un deuxième qui est encore plus petit. Ouais, mais après, ça s'enlève, ça, c'est pas. Viens passer la salle de sport. Mais. Pff, ça dépend ce qu'il a mis. S'il a juste mis des trucs extérieurs, des trucs comme ça, ça peut peut-être passer, hein. Bon, faut voir. Pas de miracle, faut tester de toute façon. Putain, mais il est où? Il est chargé où? Ah, rien. Alors, tu l'as déjà streamé. Ah oui, d'accord, il y en a quelques-uns. Alors, il y a Vinewood, Rockford, Vinewood. Passe à vous. Strombury, Rockford Hill, Richmond. Voilà, il y a Mistro en gros, toi. Si ça pose problème, il suffit juste d'enlever ça et c'est réglé. C'est le parking d'avant qui change. Pas super OP à l'intérieur. On va voir. On va essayer. Passe au niveau de la fête foraine. Si c'est juste ça, j'enlève le truc du parc. Du. Comment ça s'appelle? Merde. Cherche mes mots. Du commissariat, quoi. Du coup, tout le reste passera. Hein. Alors, je vais le mettre dans quoi? Voilà, déjà, ça c'est sûr. Mapping. Allez. On va balancer comme ça. Et il va falloir que je redémarre, évidemment. Il est où? Putain, qu'est-ce que j'en ai fait? LS Live. Non, pas celui-là, putain. CTRL-C. On va le mettre dans mes starts. Afficher. Afficher. Voilà. Au centre commercial. Mapping. 10-50. Start. Voilà. CTRL-C. Oh, 10-50. Je vais dire 10-50. Mapping. Il est là. Start. Hop. Préenlevé. J'ai encore fait une bêtise, comme d'hab. Voilà, il n'y a plus qu'à redémarrer.
écoute, on va voir. Mais ouais, c'est con parce que toi j'aimerais bien t'aider, Minos, mais le C++, j'y connais Nib. Tu l'étais, genre, ça c'est pas. Non, non, on fait pas ça. Mais je peux pas t'aider. Si. Moi je te dis, mes fichiers DLL, je les ai jamais ouverts, je sais pas du tout comment on fait, je sais pas comment c'est dedans, j'ai. Là, ça dépasse mes compétences. Dès que possible, les gars, si on pouvait faire une petite tempête, ça serait le top. Bah, on finit la course poursuite et on va direction Comico. Moi, contrôle C à cause. Oh le bâtard. Oh, ça te rappelle pas quelqu'un, ça? Ça te rappelle pas quelqu'un, ça? Ça me rappelle un certain Maxou, moi, ça. Quand tu le voyais se connecter, il arrivait, bim, il fermait. Ah, bon, bah Maxou a un truc à faire sur le serveur, a priori. Toi, t'es en pleine scène ou t'es en train de faire un truc. Et salut, quoi. Ciao. Et merci, hein. Santé, bonheur. Là, je pense qu'on est en call-out. On a assez, toi. Ils sont occupés, hein. T'es occupé en permanence, en fait, hein. Si tu veux jouer le jeu, en permanence, t'as un truc à faire avec avec le call-out. Tu peux jouer en permanence en tant que flic sans aucun problème. Mais ce que j'aimerais bien, c'est créer des call-out pour les autres. Mais bon, pas d'arrestation, enfin pas tout ça évidemment. Mais Bien pour info, la personne que je viens d'interpeller avait une fausse carte d'identité sur elle et un fusil d'assaut dans son véhicule. Fallait pas qu'elle vous attrape là. Non. C'est rare qu'il y ait des trucs comme ça. Mais voilà, c'est ça qui est bien. Mais tu vois, créer un call-out. Parce qu'il y a déjà des missions pour les mécaniciens où ils vont chercher une voiture, voilà. Mais un truc un peu plus intéressant, et j'ai pas d'idée. Si tu veux jouer flic, tu joues flic, hein, c'est pas un problème. Un call-out. Mais voilà, toi, tout ça, j'aimerais créer. Déjà, j'ai déjà fait, attention, quand vous vendez de la drogue ou truc comme ça, vous pouvez vous faire attaquer, hein. C'est très rare, mais vous pouvez vous faire attaquer, attention, il y en a, hein. Alors, vous appelez ça des call-out, vous appelez ça comme on veut. Mais ça a déjà écrit. Ça existe déjà, hein. Mais tu vois, pour le, j'ai pas d'idée. Là, je trouve pas le truc. Et inversement, là, je trouve pas le truc. Je trouve pas l'idée pour les citoyens d'un call-out qui pourra arriver. Et puis, il faut que je fasse attention. Tout le monde n'est pas armé, donc je peux pas faire des trucs trop violents. Le mec qui se fasse pas goumer alors qu'il y a pas de flic, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que j'ai fait, par exemple, quand tu vas vendre de la drogue, alors que ça soit de la weed ou n'importe quoi, hein, tu peux te faire attaquer par des mecs. Ah, t'es censé être armé, hein. Tu joues le show à vendre de la drogue, tu peux te faire attaquer, donc faire attention. Donc évidemment, j'ai bloqué le fait d'avoir les flics si tu te fais attaquer. C'est mieux. Parce que sinon, enfin les flics PNJ, je veux dire. C'est quand tu vas te faire attaquer, quand tu vas te défendre, tu vas pas te retrouver avec 50 flics PNJ. Et qu'une fois qu'ils sont tous morts, tu vas te retrouver en normal. Donc c'est bon, mais. Mais je suis en train de. Là pour l'instant, j'ai zéro idée. Je le vends des joints. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça, Nilox. Hein. Pas ça. Hein. Quand tu vas au point de revente de sacs de drogue ou de revente de bornes, tu as exceptionnellement. Tu peux te faire attaquer par d'autres méchants. T'es sur un point dangereux ou tu peux te faire attaquer. Ça peut être tendu. Mais là, je cherche des idées, toi, pour les pompiers, pour leur trouver des trucs autres que le mec à aller chercher, le faire monter en ambulance dans un hôpital, et autres que les feux. Mais j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Je trouve pas comment trouver. Enfin, qu'est-ce que je peux leur faire d'autre que ça. À chaque tempête, un a une chance de tomber en guerre de gang contre d'autres et donc il y a des attaques à petite échelle. Un chat dans un arbre. Ouais, non, mais comment tu veux le script de ça, le chat dans l'arbre? À chaque tempête, un a une chance de tomber en guerre de gang contre d'autres. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que je trouve des. Bon, après, je peux mettre un random call à les flics, hein. Un random, tac, boum, ça crée un truc. Mais suicide et tu mets un chat.
Le call-out de suicide, tu mets un chat. Le call-out de suicide. Le fait de planter l'arme là, c'est quoi là? Faut que je trouve un truc. Parce que j'aimerais bien leur apporter des choses, mais il faut l'idée, et après il faut réussir à le scripter. C'est ça qui est pas facile, surtout avec des PNJ de merde. On a un call-out suicide, ah je connais pas. Ouah, t'as quelqu'un qui veut se suicider, c'est ça? Faut que t'ailles lui parler, blablabla, pendant 2 heures, lui poser des questions et bidule quoi. Dispatch de 030, retour au district. Devant William 06, retour au district. Il faut que... Je vois pas trop... Par un chat. Il faut aller chercher un chat abandonné. on peut créer un chat. Je peux créer un PNJ et je mets un point et aux pompiers de le retrouver. Non, s'il y a le point, c'est trop facile. Mais après, s'il n'y a pas le point, comment tu le retrouves quoi? Le truc il va se balader, laisse tomber. Ou alors je crée une zone. Dans cette zone-là, trouve un chat. Il y a un chat qui a été... Le chat de la mère Michel qui a été perdu. ce que je peux faire, c'est voiture en feu. Tu vois, je crée une voiture et boum, je prends le feu. Ouais, mais après, elle va exploser et c'est fini. La mission s'arrête parce que t'arrives. Une fois que t'arrives, il n'y a plus les flammes. Comment on peut faire? Quoi que si, parce qu'après, je peux le coupler avec le script de feu et du coup déclencher le feu sur la position de la voiture. Il va falloir éteindre le tout. Ça, c'est possible. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, je peux le faire sans problème. Si je suis pompier, j'ai de temps en temps un call-out d'une voiture qui prend feu et clac, ça déclenche l'incendie dessus. Je fais spawner une voiture, boum, la voiture, je la mets à chaise, tac, j'ai mis le feu sur la gueule. Bon, ça reste un truc de feu. Bon, on en revient au même, hein. Le problème, c'est que voilà, je peux pas trop faire de choses. Pompier, mécano. Non, mais une fois que la voiture est détruite, c'est fini. Mécano. Du coup, ouais, ça va ajouter plein de choses, mais il risque d'y avoir un problème dans le commissariat. Donc je risque de redevoir faire une tempête. Hein, donc. Bah on vous attend votre feu vert pour... Non, bah, vous pouvez venir voir, hein, mais ça va peut-être faire des trucs bizarres dans le commissariat. Et si ça fait un truc bizarre, je sais quoi enlever. Donc voilà, bah, juste voir ça. Moi c'est un repos enfin, un peu de temps. Ouais, ça marche. Bah écoute, à tout à l'heure peut-être. Ouais. Tac. Allez, on va voir. Pompier mécano, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Genre voiture tombée dans l'eau et les pompiers vont devoir venir. Ouais, putain, comment je vais scripter ça, toi? Mais après, j'ai décidé, mais faut scripter quoi. C'est ça le problème. Hop, allez, on va redémarrer. Point SH, restart. Restart. Non, avec 2 T, il marchera pas, c'est sûr. Restart. Allez, on va voir ce que ça donne. Il n'est pas possible de faire en sorte que les mécanos peuvent prendre les épaves. Alors non, parce que pour le jeu, s'il n'y a plus de, c'est plus un, comment dire, c'est plus, enfin, je pense que non, parce que merde, c'est bon, on est en train de redémarrer. C'est plus un objet, enfin c'est plus vivant, enfin je sais pas comment le dire, ça n'existe plus quoi. La voiture est détruite, n'existe plus. Donc tu peux la pousser. Et ce qu'il faut, c'est la réparer pour pouvoir la charger en fait. Et pour la réparer, il faut arriver à monter dedans. Et la dernière fois, on a eu ça, on a un camion qui a explosé à la. Ça reste une entity? Ah ouais? Et pourtant, à chaque fois, on n'arrive pas à la choper. On va essayer.
Faut que je fasse péter une voiture, on va essayer de la charger. Et avec un récupérer une vue, on n'a pas besoin de monter dedans pour le mettre. Oui, oui, bah ça, parce que j'ai modifié la détection en fait. La détection est beaucoup plus performante qu'avant où tu étais obligé de monter dedans. Là maintenant, il détecte normalement, la plupart du temps, il détecte bien. Mais faut essayer. T'as essayé avec une voiture HS de la charger? Et ça veut pas. Il refuse totalement. La tirer avec le treuil, et tu ne sauras pas, mais logiquement, le monter sur un bateau, tu pourrais. Bah nous, on a que... Oh putain. Ah, t'en as pas trouvé? Bah attends, là, ça va être vite réglé. Je vais en détruire une. J'y mets une grenade sur le coin de sa gueule. Ou je l'éclate contre un mur plusieurs fois et... Et on va voir. La dernière fois j'ai essayé avec... Bah t'étais pas là, la dernière fois il n'y a pas de dépanneur, donc j'ai essayé avec la dépanneuse automatique. Et là il avait pas réussi à la charger, mais parce qu'elle était coincée dans la pompe à essence. Donc après je l'ai sorti, et là il a réussi à la charger, mais je l'ai sorti en montant dedans. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Si, je l'ai sorti en le poussant et après je suis monté dedans. Donc du coup je ne savais plus si c'était... si j'avais modifié le script parce que j'étais monté dedans ou pas quoi. On va essayer. Attends, on va déjà regarder ce que ça donne les petites armes là. Alors, est-ce que ça s'oppose? Bon, déjà tout ça gêne pas. Hein. Pour l'instant ça gêne pas. Là, ça gêne pas. Là, ça gêne pas. Ils ont mis des petites barrières avec les murs. Bon. C'est bon. On voit que c'est pas fait pour les deux en même temps, mais il n'y a pas de grandes modifications qui nécessiteraient que je l'enlève. On est bien d'accord, j'ai vu un... On est d'accord. Ah, alors là, je pense que ça s'oppose par contre à l'intérieur. Ah, là, je pense que ça va poser problème. Les deux trucs doivent s'opposer. Il est sérieux avec à mettre son sapin, le mec, là? T'as pas réussi à couper? Je regarde si on peut passer partout, s'il n'y a pas de... Ah, il n'y a rien à l'intérieur avec le sapin, donc normalement, ça pose pas de problème. Ah, t'imagines? Ah bah. Des fois, on le voit, des fois, on le voit pas. C'est juste qu'on peut pas ajouter des props dans un MLO avec un IMPA, etc. Ah oui, d'accord. Ouais, moi c'est MLO et lui c'est YMPA, c'est ça, si je me souviens. Bon. Bah après, s'il y a que ça, je l'enlève. Hein. J'enlève tout le truc parce que bon. Bon, mis à part là, les petites limitations pour les lignes, bon, qui... Ah bah ça je sais pas faire. Ça moi je sais pas faire. Sinon le reste c'est sympa. Il n'y a pas d'origine ce drapeau là. Ouais. Ouais, je pense que... Regarde. Je pense que rester 5 minutes là à discuter, tu vois, quand tu fais les papiers là, voilà, c'était loin, ça va. Mais je pense que si tu vas chercher un café, 3 minutes, je pense que ça doit aller. Mais attends, je vais juste enlever ça. Moi, je sais pas ouvrir. Je sais pas ouvrir ça et enlever cet objet. C'est dommage. Mais ouais, sinon le truc ici me gênait pas plus que ça. Attends, on va juste voir un truc si ça suce. Ça s'appelle comment? LS Live. Bon, il consomme que dalle. Bon, moi évidemment, je me rends pas compte. Pour voir avec les petites configs. Alors attends, on va faire ça. On va juste enlever
le... comment ça s'appelle? Le truc là? On va juste enlever le... Je cherche mes mots, hein, c'est une horreur. Hein. Mapping. Mission RAW, voilà, merci. Ah, c'est un enfer. Mission RAW. Putain, mapping, il est où? Ah putain, c'est ce que je cherchais. NSO Live, Stream. On va juste... Mission RAW. Tac. Supprimer. Oui. Hop, on redémarre. Voilà. Badadam, badanana. T'es vieux, c'est grave. T'es gueule. Pas vieux déjà. Bientôt, par contre, ouais, bientôt, on va atteindre un chiffre qui picote quand même. Enfin, je me comprends. Enfin, je m'y comprends. Et je m'y comprends. Alors, voilà. Allons voir. Enfin, je m'y comprends. Donc, hormis Vespucci, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des arbres un petit peu à gauche, à droite, des trucs comme ça? Merde, il y a quelqu'un qui se connectait? Merde. Je vais redémarrer à la gueule. Dans 3 semaines, t'as 40 ans, là, me raconte pas la messe. Tu es pas prêt. Ah si, non, mais j'ai déjà vu en vidéo. Je l'ai déjà vu en vidéo, le Vespucci. Et ah, maintenant, il y a peut-être pas le script d'ascenseur? Ah, excuse-moi, Oxford, j'ai pas regardé. Désolé. J'ai pas prévenu en plus, je pensais que j'étais tout seul. J'ai redémarré comme un bâtard. Ouais, attends, le script d'ascenseur, il est... Parce que j'ai pas vu de script d'ascenseur, là. Je l'ai déjà vu, l'ascenseur, sur 5M, mais je l'ai vu quelque part, ouais. Ah, bon, ça va, ça va. Parce que ça va... Bon, après, l'ascenseur, je peux... Ah oui, non, en plus, il y a plusieurs étages, donc il va falloir... Il va falloir que... Oui, ce que j'allais dire, je pourrais faire un TP, mais il va falloir que je fasse un menu, quoi. Parce que j'ai vu sur 5M, il y avait un script d'ascenseur avec une carte, un item. Seuls les flics peuvent y aller. Enfin, tu peux le piquer, évidemment, là. Le badge à ton item, oui, bah ça, c'est facile, ça. Ça, c'est facile. Alors, tu m'as dit, vers les gangs, hein, c'est ça? Alors. Il était bien fait en plus, hein, le truc. Hein. L'ascenseur était bien fait. Alors. Qu'est-ce que tu peux me montrer? Alors. Faut que j'aie de me souvenir comme c'était avant et ce qui a été changé. Alors. Je sais même plus si les palmiers étaient. Là, il n'y avait pas de palmiers à droite. Putain, je me rappelle plus en fait. Attends, je sais plus comme c'était avant et comme c'est maintenant. Je sais plus ce qui a changé ou pas. Déjà toute la place. D'accord. Déjà les arbres n'étaient pas avant, hein, c'est ça? je m'en souviens pas. Franchement, je sais plus. Ah, ça oui, ça je. Ah oui, ça. Ah, ça c'est sympa, regarde. Les arbres au milieu avec l'ombre et tout, ça c'est super. Mais d'habitude, il n'y a pas d'arbres. C'est sympa, ça consomme que dalle. Hein. Enfin, moi je me rends pas compte, il faut voir. Donc tu m'as dit d'aller vers les gangs. Ah ça c'était pas les arbres là, il me semble. Ça non plus c'était pas ceux-là là. Attends, attends. Oui, ça y avait pas ces arbres là. Je suis pas fou, hein. Je suis pas fou. À l'ancien bowling aussi. Ah, dans la côte là? Ah, déjà là je vois plein d'arbres. Ah, et ben, ça c'est, toi les arbres au milieu, ça j'adore.
Là aussi, c'est bien. Ah, il a mis des... Il n'y a pas de poteau là normalement. Oh la vache, tous les poteaux qu'il a mis. Ah ouais. Il n'y a pas tout ça là. Ah ouais, normalement, il n'y a pas tous ces poteaux là. Ah, les grilles, tout ça là. Alors ça, si la grille, ça si. Qu'est-ce qu'il a fait là à l'auto-école? Parce qu'il ne faut pas que ça gêne mon spawn de voiture. Non, c'est bon, ça gênera pas. Là, ça passera, c'est bon. Il y a des arbres roses. Ça, des arbres roses. Ah, c'est bien la gonzesse qui parle, ça. Tu peux enlever les radars maintenant, si possible, de faire du sang. Des cerisiers, ouais. C'est la gonzesse, ça. Ah, il y a aussi des arbres roses. C'est, là, je pense qu'il faut pas doubler, là. Là, si tu doubles, si tu tapes un pied jaune, je pense que ça doit faire tout drôle. Ça va? Ah, ils sont solides en plus. Voilà. C'est super joli. Hein. Ça, c'est clair, c'est vraiment joli. Ah, on va aller voir les quartiers. Attends. On va aller voir les quartiers. C'est assez chiant, les poteaux jaunes. Ouais, si tu les tapes, c'est réglé, quoi. C'est... C'est ce qu'elle dit, la gonzesse. C'est bien les poteaux jaunes, ça va calmer les tous les fous là, que ce soit des flics ou les mecs qui roulent n'importe comment là, ça va les calmer un peu. Là le flic il tape un poteau jaune, fini sa course poursuite, tu t'arrêtes, allez hop. Ouah c'est joli, regarde. Ça change vraiment la... T'as l'impression que t'es plus dans GTA. C'est voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça sur la route 68, je sais pas si vous l'avez déjà emprunté là, notre route 68. Elle est magnifique, t'as... Les PNJ, ah les PNJ, ouais, je pense qu'ils vont s'en claquer quelques-uns. Ouais. Mais les bandes. Ah, comme ça? Ah ouais. Grégouille, bonjour à toi et bienvenue. Merci pour le follow. Bah après, t'as, si tu veux parler, t'as pas trop le choix, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que j'enlève ça, le mec, s'il veut parler. Que l'abonnement soit pas... Attends, je vais l'enlever, ça d'ailleurs. Que tu sois pas obligé de t'abonner pour parler. Parce que ça force un peu, là, attends. Je le fais de suite. Je sais plus pourquoi. Je l'avais mis en fait, c'est pour limiter un peu les trous du cul, mais pff, ça sert à rien en fait, ça limite pas du tout. Comment on fait? Paramètres. Non, pas paramètres. Tableau de bord. Tableau de bord. Hop. C'est ouf. Communauté, préférences, chaîne. Voilà. Contenu, gna 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 gna. Yo, salut à toi. Alors, héberger, prêté, raid, drop. Putain, mais c'est où, bordel? Putain, c'est où qu'on fait que la personne peut parler sans être abonnée? Attends, peut-être dans les préférences du chat. Voilà, c'est là. Alors, chat réservé aux abonnés. Non. Afficher les icônes, les actions, les messages bloqués, afficher hors d'attache. Chat en pause, les raids. Hola, ne forget. Non, je peux pas te répondre. Hola. Ah, j'entends un truc. Attends. Comment on fait pour pas bloquer le chat aux gens là? Putain, mais c'est où? Gestionnaire des rôles. Non. Activité. Non. Analyse. Contenu. Collection. Clip. Modération. Ah. Alors. Chat différé. Non. Vérification de l'adresse. Mode réservé aux followers. C'est quoi ça? Les spectateurs doivent avoir suivi du mandat spécifié. Voilà, c'est ça. Alors, attends. Éteindre. Voilà. Voilà. Il n'y a plus besoin de follow pour écrire. Alors. Attention à vous, monsieur. Je vais reprendre la route. Je vais me visiter un peu. Je vous fasse pas mal. Ouais, le flaque, fais ta vie. Par contre, kiffe ta vie, hein, par contre. Ouais, je la kiffe bien, même. Alors. Oh putain, ça, c'est magnifique, toi. Avec les petites... Ah, c'est con, ça m'a remis, là.
suis sûr qu'il a fait une photo pendant que t'as appuyé sur ma voiture. J'ai vu le Discord s'afficher, je suis sûr que t'as fait une photo. C'est obligé. Alors, voyons voir le... Comment ça s'appelle? Le barrio. On va aller au barrio. Autour de fuego. Putain, tous les arbres. Oh la vache. Ah, oh, c'est magnifique. Ah ouais, là, toi, t'es un espace vert, on dirait vraiment un espace vert, quoi. Ça gêne pas pour le barrio, y'a rien qui gêne. A priori, non. Faut que j'aille voir les mécanos, si ça les, si ça dérange pas leur... Bah c'est bon, les gens, vous pouvez vous connecter, hein, y'a pas de soucis. Hein. Je vais leur dire d'ailleurs. Alors. Ah, j'ai un truc. Et après, il faut qu'on aille à Vespucci. Attends, je vais enlever ça. C'était quoi le truc? J'ai même pas eu le temps de le lire. Alors, c'est un véhicule qui est là devant moi, là. C'est pas la première, c'est... Ah ouais, bah, va trouver c'est laquelle, toi. Je sais pas c'est quel véhicule. C'est un des quatre, là. Ça bug? Comment ça, ça bug? Qu'est-ce qui bug? Putain, tous les poteaux qu'il a mis. Qu'est-ce qui bug? Putain de sa mère, je regardais pas. Oh, on est pas en RP là. C'est le but du jeu, c'est que j'aille vite voir le reste. Allez! Oh, fou lui! Faut que j'aille voir les... le live. Ah ouais? Oh. Oui! Viens voir un truc. Va voir Miller machin là. Je vous suis, c'est je vous suis. À mettre les poteaux. Ah, c'est clair, les mecs, il a fait du taf. Hein. Ou fraquette. Fraquette. Eh, ou fraquette. Et toi, Fuego, qui veut s'appeler Bob, hein? Mon skin a été remis à zéro. Ah. Bah, déco reco. Déco reco, normalement, ça devrait être bon. Putain, j'ai faim, j'ai pas bouffé depuis hier, j'ai la dalle. Il veut m'appeler Rouflaquette, tu crois que c'est mieux? Rouflaquetta. Mais c'est ça qui est bon. Rouflaquetta. T'inquiète, une fois je me suis retrouvé à poil, j'arrive pas à mettre les vêtements. Alors. Wouah. Ça c'est du beau parc. Eh ouais. Ça fait vraiment parc, ça fait vraiment, comment dire. Pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, dès qu'ils peuvent, ils mettent un parc quoi. C'est magnifique. Voilà, là ça fait vrai parc États-Unis, bah, c'est clair. C'est ça que quand je suis allé à New York, c'est ça qui me. Trouver le cul, c'est que t'étais dans une mégalopole, t'avais des tours de partout, et d'un seul coup, bah t'étais dans un parc, et t'as l'impression d'être à la campagne, tu oubliais, t'entendais plus la circulation, t'oubliais complètement les immeubles, t'étais coupé du monde. Et dès que tu sortais du parc, tu retrouvais dans la ville, quoi. Putain, c'est magnifique. Oh, ceux qui vont faire l'auto-école, si l'auto-école elle passe par ici, là, ils vont halluciner, quoi. Ceux qui ont passé leur permis, ils vont halluciner. Et ouais, Oxford, tu risques. T'inquiète pas, hein, t'as rien perdu. Au pire, c'est ton personnage, tu fais un slash register et tu le retrouves direct, hein, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Putain, c'est magnifique. Oh, j'espère que ça consomme pas pour les petites configs. J'espère que c'est, pour eux ça va le faire, mais je pense pas, hein, c'est que des petits objets, donc c'est. Pff, une fois qu'ils sont posés, tu les as chargés, voilà, basta quoi. Putain, c'est magnifique.
Regarde en face, l'ombre que ça crée vraiment de l'ombre en plus, tu y crois vraiment quoi. Ah c'est magnifique hein. Je sais pas si m'entends, je suis un peu loin, attention poteau. Ah ça les poteaux c'est bien parce que il y en a vraiment, ça va les calmer quoi. Ils vont se manger un poteau, déjà le blackout il va se mettre instantanément parce que là tu passes de 50 à 0, t'es sûr qu'il s'enclenche. Ça pose pas de problème là, parce qu'ici il y a mapping. Non il y a rien, c'est bon. Ah le casino, ils ont dit qu'ils avaient mis des trucs sur le casino. Merde, je te vois plus, t'as été tout droit. Attends, je vais juste voir le casino, j'arrive. Donc là, ouais, ils ont fait un truc, ouais, c'est nickel, impeccable. Bon, nous, on a encore le vieux casino, hein. Parce que, bah, l'ancien que j'avais était full. C'était trop dur pour la petite config qu'elle téléchargeait. Peut-être qu'il faut que je retélécharge un nouveau maintenant, peut-être qu'ils ont bien arrangé le truc et que ça passerait. Ah, on va aller voir Vespucci quand même. Alors, Vinewood, on fait ça. Petits arbres, petits poteaux, là, c'est bien ça. Hein. J'aime beaucoup. Matisse, bonjour à toi, bienvenue sur le live. Merci de rejoindre notre petite communauté de FIFO. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Je me souviens même plus où il est le commissariat, Vinewood. Il est... Ah si, mais il est à la fourrière là-bas au bout. Hein. Ok, d'accord, c'est bon. Je vois à peu près où il est. Ah, voilà les armes de Rouflaqueta. Voilà les armes. Voilà. Oh, on doit être content. Oh, c'est beau. Non, mais il est sympa ce mode, hein, quand même. Il est sympa. Oui, bon, là, non. Hein. Là, on n'y est pas actuellement. Là, actuellement, on n'est pas dans le RP. Hein. On vient d'ajouter plein de petits arbres. Donc, du coup, on visite pour voir un petit peu tout ce que ça... Pour voir ce que ça a ajouté et le commissariat de Vinewood. Voilà, c'est tout. Et après, on retournera dans le RP, évidemment. Mais là, du coup, là, pendant 5 minutes, on est plus dans le roleplay. Là. Là, il y a Fuego, il me fait visiter. Il me fait visiter Los Santos. Ah, putain, ça pose pas de problème dans le centre commercial? Attends, on va voir. S'il n'y a pas d'arbres qui viennent se foutre, je sais pas trop où, là. Là, il y a celui-là. Ouais, bon, pas bien méchant. Oh putain, pardon monsieur, désolé. Il est où Fuego? Yeah. C'est temps, ça va. Oui, oui monsieur. Bah, il est où? Regarde, il est parti où? Est-ce qu'il est parti? T'es où? Ah. Oh putain, ça fait longtemps j'ai plus fait des sports. Faut peut-être que t'ailles faire du sport, hein. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, y'a un petit problème dans les burgers, mais c'est tout. Ah ouais? Ouais, y'a... Ah, l'arbre, il vient gêner, là-haut. Il rentre, l'arbre, il doit rentrer à l'intérieur, je suppose. Ok. L'arbre qui doit rentrer à l'intérieur, je suppose. Ouais, un petit peu, tu sais pas prendre des burgers. Mais après, c'est pas grave, c'est pas bon pour la santé. Oui, non, s'il y a que ça, c'est pas bien méchant. Mais, ouais, peut-être tu vas voir, pas là, tu vas aller ciné. Il y a des travaux et tout, c'est très beau. Bon, allez, on y va, vamonos. Allez, montre-moi, ouais, montre-moi. Je t'ai pas tout montré, hein. Ah, j'ai couru petit à petit, hein. Ben, attends, tu vas voir, avec ce petit bit, là. Je coupe les... Il y a tous des bits, là. Oh là là, là, je me les prends tout le temps dans la gueule. T'as eu, il y a... Eh, elle me rentre pas dedans, hein, d'accord? Comment je fais pour annuler le contrôle, là, parce que... Voilà.
Je veux bien, mais j'ai un camion. Et avec les armes, là, pour doubler maintenant, la pratique. Ah oh, putain, j'arrive à me le taper, quoi. Putain, comme c'est beau. Fini les mecs qui coupent, qui font n'importe quoi, là. C'est trop bon, ça. Putain, mais le mec, il a dû passer un temps fou à faire ça. Hein. Oh, les travaux. Ah ouais, elle a mis la grue et tout. Oh la vache. J'espère que les PNJ vont bien réagir. Bon, Flaquetta, regarde, il y a encore tes arbres. Ils sont plus grands, ceux-là. Non, non, ah, c'est clair, là. Ah putain, ouais, là, les poteaux, là. Ouh, là, c'est coquinou, là. Ouh, là, c'est coquinou, hein. Quand ça va partir en go fast, là. Qu'il va falloir rouler comme un gueudin, là. Ça sent le plantage de gueule, hein. Ah, ça, regarde, avec le coucher de soleil, là. Après, on reprend le RP. Hein. C'est quoi qu'au milieu? C'est quoi qui est. Ah, là, il a mis des trucs dans le sol. Ah, c'est des petits genres de ralentisseurs. D'accord. Ah, ouais, carrément. Ces petits ralentisseurs, genre, on a pour l'école, quoi. Oh, tous les. Ah oui, ils sont beaux les roses là, il y en a partout. Waouh! Mais comme ça là, tac. On y croit là, on croit dans un film. On recule un petit peu, merde, non, reculez je dis. C'est qui te l'a conseillé? C'est Fuego. Ah, Nilox. Salut Nox. Ouh là là, les poteaux. Aïe aïe aïe. Oh, c'est bon ça. Les mecs, ils vont se détendre. Celui, il l'a mis sur son serveur 5 plus Department. Donc, autant le mettre ici aussi. Hein. Ah, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec le. Non, prévu, je vois pas d'armes. Ouh, ouh là là. Oh, j'en connais qui vont s'éclater dans les poteaux, c'est trop bon. C'est très très bien, c'est très 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 bien. Alors, voyons voir ce commissariat là. Ah merde, je voulais pas. Ah. Ah merde. Mais tu l'as pas mis en fait. Bah je l'ai pas touché. J'ai juste enlevé J'ai juste enlevé le. Ah mais c'est pas partie de LS en fait, t'avais spoutché. Ah, ah mais je le commissariat, tu veux, je te le donne. Ah bah non, mais je pensais qu'il était dedans, donc j'ai même pas regardé. Non, 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 c'est juste les arbres et tout ce qui était donné. C'est juste les. Tu vois là, c'est pas tout ça là. Même les arbres là-bas et tout, oh là là. D'accord. Alors t'aimes bien bah hein. Ah oui, oui, c'est stylé. Hein. Ah moi j'ai plus besoin de Viagra là, c'est bon, tout le temps c'est... c'est très joli. Hein. C'est très très joli. Hein. Ah mais alors les bites bleues là, les bites jaunes là. Oh, elles sont traîtres. Hein. Avec, mais c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui. Je crois que c'est hier, je fais un tour tranquille à la voiture. J'arrive là-bas, tu vois juste là où on a pris à gauche et à droite là. Ah j'arrive pas, je suis du milieu. Ah bah là, tu... milieu t'es mort, ah, oui. Milieu, là. T'es obligé de prendre milieu. Ah ouais ouais, t'as pas l'habitude alors, paf. Et encore, en plus, verras, il est caché, il est dans la descente, tu le vois pas.
Ah non, 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 tu le vois pas. Toi, t'arrives dans la descente et pop. Plage, en fait. Ah oui, bah, je vois très bien. À la plage, direct, paf, je fais merde. C'est ça qui est bon. Fini, mais c'est très bien. Non, c'est vraiment beau. Il y a des mecs qui vont s'inculer en refus d'obtempérer et tout. Tant mieux. Mais les flics aussi. Ouais, ouais. Mais toi, mais l'astuce, je prends la moto et hop. Ouais, faut bien viser. Faut bien viser. Ouais, faut. Hier, je me suis amusé avec une Chiron. En fait, tu vois la descente pour aller vers l'autoroute ouest là. Ouais, Bayside, ouais. Tout le monde prend mieux là, tu vois le coupage. Ouais. Tu peux plus. Ah ouais? Tu peux plus. À ce moment-là. Bien fait. Tu peux plus. C'est bien gauche ou droite, mais mieux. Et puis c'est une voiture, t'es niqué. J'ai passé à 200 entre les poteaux, j'ai réussi, mais je suis autant taxé du slip. Mais s'il y a une voiture, t'es niqué. Tu veux rester derrière? Ah, tu sais plus faire ce que tu veux. Même, tu vois la salle des muscu à la plage. Ouais. Tu ne peux plus passer en voiture. Il y a des piétons. Ah, faut que j'aille voir. Bon, il faut que. Ouais, ouais, il faut que je rajoute. On redescend au truc que je t'ai dit, le triangle là. Oui, le Bayside. Ouais, ouais, on va voir et ça. Après, tu vas voir tout l'autoroute ouest aussi, quand tu remontes et tout par les tours aussi. Mais ça, je te laisserai découvrir tout ça. Oui, je vais le trouver. Merde, si je démarre pas la voiture, en fait, je recule pas, ça c'est souvent quoi. Ouais, là ils sont très de ses potes. Ah, sa mère, j'ai crevé. Voilà, ça c'est le genre de script que j'adore. Tu vois, c'est imprévisible, ça te fout la voiture en l'air et ça crée plein d'autres choses. Et c'est la vraie vie, tu peux crever comme ça vraiment. Mais comment vrai? Oh, j'ai crevé sa mère. Putain. Voilà, ça c'est ce genre de script, j'adore. Voilà. Putain. Ah, c'est bon? Oui, oui, non, je vais réparer comme ça à l'arrache. Ah, à l'arrache. Ok, vas-y. Tu veux que je attends, à moins qu'il y ait... Ah non, attends, il y a un mécano. Non, non, il y a un mécano. Ok. Ah putain. Jump dans la gueule. Ah putain, ça m'a pas manqué ça, putain. Ah merde, il a pas pris le service. Ah non, bah, tiens, pas pris le service, mais par contre, les SMS ils marchent toujours. Bam. Ah, c'est ça. Toi, ce genre de script, j'adore. Bon, oui, par contre, des fois, les trous du cul ils les prennent, mais. Ah. Normalement, ça passe tranquille. Oui, bah ils trouveront, hein. Bah, regarde, t'es parti, hein. Le mec, il a bien fait ça, il a fait ça pour. Ouais, je pense qu'il a dû mettre là, bah, des endroits où ils sont pas. Un endroit, tu vois, ils sont pas censés aller. Là où il y a l'hôtel, là. Tu vois la grue jaune où Salsa est tombée? Oui. Bah, j'ai juste là, s'il faut pas rester là, parce qu'en fait, si tu restes là, les personnes nouilles. Gigon, t'as compris? Eux? J'ai fait des métaphores, mais je les ai pas. Mais eux là, si tu restes là, en fait, il y a une zone de travaux. Ouais. Sur une bande. Donc, du coup, si tu restes là, bah ouais, il y en a un ou deux qui va passer là, mais après, c'est correct. Parce qu'ils se pètent la gueule, mais ils drainent mal. Bon, mais après, c'est correct. Oui, de toute façon, on peut pas tout. Mais franchement, je t'ai dit, j'ai plus besoin de Viagra, tellement depuis j'ai ça. Je pourrais plus sans, en fait, je crois. Vraiment. Ouais, c'est ça. Comme moi avec le truc des gyros et tout, je peux plus sans ou avec le son, je peux plus. Ah ça je les ai pas mis moi parce que quand je vais dans d'autres villes, ça le retient d'office en fait. C'est pour ça me fait chier toujours à le mettre. Ah ouais? Ah mais ouais, parce que oui parce que si t'as un launcher. Compter des loots, ça parce retire que, en fait. Parce que t'as un launcher. Ça retire ouais. Ah ouais mais c'est tellement bien putain. Du coup je passe plus mon temps à le mettre et à le tirer. Oh oui c'est clair ça va être trop lourd. Mais là, le LS, là, j'y peux plus m'en passer, vraiment. C'est magnifique, hein, mec. J'ai dit, plus, il a l'air de le maintenir un jour, d'améliorer, de continuer le travail. Ouais, ouais, il continue à faire dessus. Je crois qu'il va faire toute la ville, le mec, il est chaud patate. Ouais, il a déjà fait déjà un Hambourg. Ah, mais tu vas voir, après, tout le long de la plage aussi, il a mis tous les trucs pour les piétons et tout. Enfin, un truc de ouf. Même tout Vespucci, là, tu vois, tous les trucs où il y a les maisons dans les canaux. Tout là aussi, il a fait. Ah ouais? Ah, un mécano en moto. C'est rare ça. Ouais, je suis d'être ensemble, monsieur. Ah, c'est la strinte. Ah oui, c'est vrai que c'est la nuit, j'avais pas vu. Vous partez du domicile. C'est un petit biquette. Allez, fais la voiture, s'il te plaît, là, on a pressé. Je viens vous voir, monsieur. J'ai eu une crevaison et du coup, ça m'a accidenté aussi l'avant parce que j'ai perdu le contrôle du véhicule. Il roule avec des pétrolettes. Et l'autre, il le cherche, là.
Bon, avant que vous venez, bah, c'est gentil, c'est là. Je voyais pas comment faire en pleine nuit, là. J'ai juste changé la route. Ah, ben, tu kiffes avec ta moto dans les arbres roses, les scènes de Ferrachi, là. Putain, je suis sûr que tu vas kiffer avec les pétales dans tes cheveux. Ah, oui. Ça, c'est sûr, hein. Et y a rien, y a même pas d'arbres dans le garage, c'est good. Impeccable. Non, là-bas, il n'y a pas... Enfin, si, il y a des palmiers. Ah oh, ouais, et tout l'aéroport, le mec, tout le long de l'aéroport, enfin, l'autoroute, là, ouais. Il a fait des grosses lettres LS, machin truc, pour l'aéroport, c'est trop beau. C'est bizarre, normalement, il n'y a pas à monter, là. Ça, j'avais changé, là, non? Avec de normalement, on fait le monde. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est normalement, j'essaie de mettre des if en un, hein, pour qu'il faut pas, quoi. Bon, après, il change tellement de choses tout le temps que... C'est... Ah, le plaquage, je crois que t'as un gros cul pour la madame. Oui, madame, désolé, excusez-moi. Ça va, non ? Tu veux que je fasse le contrôle de la VIP ? Non, connasse. Allez, dégage, en plus, t'as tout pété. Allez, l'autre, oh là là, le con. Oh là, faut pas regarder. Tu vois pas, il y a un sens de la circulation. Super, merci beaucoup. Combien je vous dois, monsieur ? Ok, c'est bon. Combien je vous dois ? C'est gratuit, c'est pour les pétales d'or. Non, non, y a rien de gratuit. Tout travail mérite salaire. Monsieur est venu en pleine nuit et il est quitté son. Il était avec maman au lit. Il se lève, il vient là vite fait. Bon, normal, faut payer. Avec maman, oui. Toi, tu veux me dire que les bakers ils prennent que les biberons, c'est ça? je me permettrai pas. Ben, pourtant, on dirait, hein. Ouais. Vous pouvez me faire une facture, monsieur, s'il vous plaît? Bien sûr. Il se met à côté, trop tard. Tenez, monsieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, merci les passants. Si, mais moi, c'est... Comme ça, la technologie, je les aime pas, hein. Moi, je veux toujours par carte, comme ça, j'envoie la facture, les speedy après. Ouais, comme ça, tu n'introduis pas l'argent de la société. Hein, ah, c'est ça, exactement. Allez, monsieur, merci beaucoup, au revoir. Bon, espérons ne pas crever. C'est quoi qu'il y a par terre? Du coup, on est mi-RP, mi-PRP. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, putain. Oui. Ah, par contre, je t'avoue, je sais pas si la fête foraine, ils ont fait quelque chose, je vais taper un crochet, quoi. Ouais, ouais. Ah, je rigole s'il crève, piouf, à son tour, tiens. Après, c'est rare les crevaisons, mais ça faisait longtemps que j'avais pas crevé. Hein. Il faut que je coupe le... Parce que quand j'appuie sur X pour parler, moi, sur ma manette, ça déclenche le contrôle. Donc non, ils ont pas touché la fête foraine, toujours là, c'est bon, on a toujours nos autotamponneuses. On peut toujours faire les cons avec. Ça, c'est nickel. Putain, on le voit vraiment pas avec ces feux rouges. En même temps, ça aurait été difficile. Bon. Donc on va prendre B-City, si j'ai bien compris. On descend. En autoroute. Et puis après, on va retourner dans le roleplay, hein, quand même, hein. On est un peu là pour ça, quand même. Alors, d'abord, je vais aller manger. Parce que là, j'ai pas mangé depuis hier soir, j'ai la dalle. J'ai gagné une voiture grâce aux tamponneuses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ouh, les petits poteaux coquins. Là, tu peux pas couper au milieu, là. Le mec, il va couper au milieu, il va le faire une fois. Putain. Pardon. Heureusement qu'il y a le pare-buff. J'ai rien eu. Alors, qu'est-ce qu'il a mis là? Non, je t'ai assez. Voilà, il faut que... Oh, les poteaux.
Ah oui, faut qu'on aille voir au sport, c'est vrai. Au sport, normalement, c'est bloqué pour les voitures. Putain, le mec, il a fait un boulot. Dans le jeu. Ah non, ça va encore. Large, large. Je suis large. Putain, mais mets ton clignotant, connard. Oh, c'est trop dur. Putain, le pare-buff, c'est la vie, hein. Ah, ouais, voilà. Il y a des poteaux maintenant. Bah, ça passe tout juste, mais tu vois, au moins, c'est coincé, quoi. C'est plus propre, ouais. Attention quand tu passes. Quoi. C'est ça. C'est pas fait pour normalement. Exactement. Mais là, il a fait ça à chaque entrée, hein. Attends, il va sortir par où, à droite là? Non? Il est où? Tu faisais comment pour la musique, pour l'entendre via TS? Avec Soundboard. J'ai d'abord téléchargé la musique en MP3, puis après je l'ai ajouté sur mes touches. Là. J'ai des touches où je peux balancer de la musique directement et ça fait tout dans TS. C'est un petit add-on à ajouter à TS. Et tu peux affecter des touches et t'appuies sur la touche, boum, ça déclenche ton micro. Ça fait comme si tu parlais et ça envoie la musique. Elle a pas trop forcé la mule là, ça va, y a pas trop d'armes. Ça fait sympa sans abus. Parce qu'en plus, le mec il a du talent, hein, parce que t'en as, tu vois, leur délire c'est de rajouter des armes. Ils mettent 2 milliards d'armes. Mais lui, tu vois que ça passe quoi. C'est pas. J'adore les couverts végétales comme ça, tu passes en dessous là. Et en fait, Soundboard c'est très très bien, c'est que tu peux mettre tous les sons que tu veux, donc quand par exemple, bah, je sais pas, tu fais mécano, tu peux mettre des sons de mécanique, ou si tu es médecin, tu peux mettre des sons, tu peux mettre tout ce que tu veux, des sons qui va dans ton RP, quoi. Et à chaque fois, tu mets des touches. Suivi par Satan. Putain, c'est joli là. Ouais, c'est sympa ce qu'il a fait là. Putain, le parc qu'il a fait. Oh. Ah ouais, c'est génial. Putain, le mec, bravo. Hein. Le mec, il met ça gratuitement à disposition, quand même. Il pourrait le vendre, hein. Il pourrait le vendre, ça passerait, hein. Vraiment, bravo. C'est... voilà. Et comme beaucoup, hein, comme beaucoup de scripts qui sont publics, les mecs, il y a un taf derrière, on se rend pas compte, hein, mais... nous, quand on le prend, on n'a plus qu'à le modifier, ajouter des trucs, enfin faire à notre sauce. On peut repasser des longues heures dessus à le modifier, ça c'est vrai. Mais on s'imagine pas le temps qu'il y a eu au début. À la toute création, quoi. Et surtout, les mecs, ils les rendent publics. C'est-à-dire que les mecs, ils les mettent à disposition. Après, souvent, les mecs font ça, c'est pour éviter les petits malins. Parce que là ce que je pourrais faire, c'est quoi? Je compile le dossier, je le mets dans un petit fichier, je le mets sur un site internet et je le mets 15€. Et ça va marcher. Il y a plein de scripts, les gens le vendent, il y a plein de scripts qui sont disponibles gratuitement, quoi. Et les mecs les vendent. C'est un truc de fou. C'est une honte, c'est une honte. Déjà, c'est totalement interdit par 5M, évidemment. Et c'est une honte. Ou t'as plein de serveurs où il faut payer. Il faut que tu sois sub sur la chaîne, ou il faut que tu... genre tu payes 10€ au serveur, et bah tu peux avoir une Porsche. Je dis un truc au pif, hein, mais voilà. Tu payes 20€, bah t'as le droit à la Lamborghini, et tu seras le seul à l'avoir. C'est un truc de malade, c'est... Et il y a des gens qui payent, hein. Des gens qui payent pour avoir la voiture que les autres peuvent pas avoir sans payer, quoi.
C'est une honte, on est là pour s'amuser, putain, on s'en bat les couilles. Le but c'est de passer du temps ensemble et de faire des scènes, quoi, de faire vivre un personnage, c'est du théâtre. C'est d'être dans son personnage, et là je me crois flic, là. Bon, là on n'est pas en train de jouer. Là, je suis avec un SOA et un Vagos, les deux ils sont ensemble, genre ils sont potes. Non, ça, dans la vraie vie, ça arrive pas, ça. RP du Farm to Win, c'est ça. C'est ça. Là, là c'est le pay to win. Et il y a plein de serveurs qui sont comme ça. Hein. Alors souvent, moi vous savez, je suis sur le staff de... Oh putain, je crois qu'il allait me prendre, il allait me couper à droite. Je suis sur le staff de 5M France. Et du coup, souvent on reçoit des plaintes. Ouais, tel serveur, il faut payer pour faire ci. Et ils ont raison, c'est totalement illégal. Mais à 5M France, on fait pas partie du staff de 5M. On a strictement rien à voir avec 5M en fait. C'est ce que je réponds à chaque fois que les gens disent ça. Je leur explique que nous, c'est un forum francophone. C'est-à-dire qu'il y a des Belges, des Québécois, enfin tous ceux qui parlent français. De passionnés, des gens qui adoreront faire ça, quoi. Et on n'a strictement rien à voir avec 5M. 5M, c'est des Russes. Et on peut rien faire. Les mecs, souvent, ils viennent nous voir aussi pour dire « Ouais, j'ai été ban de 5M, j'ai rien fait. » Je t'explique, les bans de 5M, c'est la plupart du temps, c'est des bans automatiques, hein, c'est des robots qui cherchent en permanence des trucs. Et souvent, les robots réagissent très mal. Alors déjà, au mode graphique, ils réagissent mal. C'est pour ça que quand on a trouvé un qui fonctionne, faut mieux pas y toucher. Ah, j'avais pas vu. LSIA, là. J'avais pas vu ça, c'était pas ça le mec, il a rajouté ça. Et la plupart du temps, les bans de 5M, ça vient parce que vous avez la même clé Windows que quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est très légal, hein, mais pour 5M, ne veut pas en entendre parler. C'est-à-dire que tu vas acheter, par exemple, un ordinateur qui s'appelle chez Megaport. Chez Megaport, par exemple, c'est spécialiste pour faire ça. Ils achètent une clé Windows et ils la mettent sur 200 ordinateurs. C'est-à-dire que vous avez tous la même clé Windows. C'est purement légal, hein. Il n'y a aucun problème, c'est légal. Sauf que 5M, lui, ne comprend pas pourquoi tu te retrouves avec... La tour de contrôle, elle n'existait pas normalement. Alors j'ai vu le LSIA, là, c'était sympa, les petits gestes. Laquelle tour ? Sur le côté. Bah ça, les gros trucs que tu as devant toi. Ah ouais ? J'ai jamais fait gaffe. Elle n'existait pas. J'ai jamais fait gaffe, à vrai dire. Non, la soucoupe, elle n'existait pas. Tous les trucs à côté, là, tous les arbres et tout, ça n'existait pas. Putain, et tu vas voir, on va passer à l'avant. Il a une statue avec des avions qui se croisent. Ah. Avec LSIA devant. Sympa. Ouais, t'as vu sur le taureau, tu vois, quand on passe à côté. Ouais, ouais, je l'ai vu, ouais. Marqué. Et non, donc. Ouais. Après, grosso merzo, tu verras le reste en patrouille. Oui, mais je vais voir un peu tout. Rien foutre et rien bon. Ouais, comme vous, non. Ouais, moi j'ai le fait, mais j'ai le fait avec des intérêts. Ah oui, online. J'ai besoin de savoir ma vie. Derrière, parce que tu m'énerves. Et ouais, et donc, voilà. Donc 5M, lui, par contre, ses robots, ils vont choper l'adresse IP, j'ai dit n'importe quoi. Enfin, si, ils chopent aussi l'adresse IP, mais. Ils vont choper la clé de ton Windows, et ils vont voir que vous êtes deux à la voir en même temps. Et alors là, c'est ban direct. Et du coup, bah, on a mis un tuto sur... Ah ouais... LSIA... C'est joli, hein. Du coup, on a mis un tuto pour se sortir de ça. Il faut acheter une clé Windows, hein, ça vaut 3$. Putain, c'est sympa. Mais t'as vu... Ouais. T'as vu derrière, en fait. Je sais pas si t'as vu, là... Le gros truc vert, il n'existait pas, la grosse bite. Le gros truc vert, là, il n'existait pas. Non. Ah oui, d'accord, je le vois. Et il y a aussi des trucs sur la plage, quand ils restent dans le sable, ils ont mis des statues en fer et tout. Putain, franchement, chapeau, hein. Bonne idée, là. Et le truc où on ne voit jamais, tu vois, là derrière, il y a des parkings. Ouais. Ils s'amusent à faire tous les emplacements avec des trucs en métal et tout. Pas pourquoi, mais ils s'amusent à faire ça. Pourtant, on ne voit jamais là.
Ouais, franchement, propre, le monsieur de la BTP. Ouais, et il bosse bien, le mec. Hein. Puis le mec, il a du goût, enfin, je veux dire, il... C'est pas un gitan, quoi, il fait pas ça à l'arrache. C'est des magos, quoi, c'est ça, c'est la VBTP. La VBTP, ouais. Ouais, on a fait ça partout dans la ville. Après le LTD, vous avez fait ça, bravo, hein, merci. Ah, hein. C'est pour ça qu'on a tout peint en jaune. On a plein de bits jaunes, on a tout mis en jaune. Pardon. C'est gentil, hein. Bon, par contre, les arbres, c'est pas nous, c'est les putains de familles, les verts, les bonhommes de cette ouais. Lème. Eux, ils sont c'est très jardiniers, ouais. Ouais, beaucoup la main verte. Non, mais je crois vraiment que ça pourra rajouter de la beauté et du piquant dans les refus d'homme tempéré. Ouais, ça me fait rêver, ça. Je suis pressé d'entendre pling. Ah bah, dans 10 minutes. bah, moi, tout à l'heure, déjà. J'en ai déjà tapé un. En tout cas, ça verra du travail pour les mécanos. Hein. Ouais, ah bah, mais ça, c'est sûr. Puis là, je m'entends dire que le machin automat inconscient, il va très bien marcher, lui. Ah, par contre, de flaquette, des premiers qui errent pour les bits ou les arbres, tu me l'envoies chez moi à Barrio, tu vois. Ouf, pardon, excuse-moi. Ouais, exactement, c'est ça que je vais lui faire. Désolé. C'est une fois, frappe, hein, frappe de douce, quoi. Frappe vraiment, c'est genre vraiment un bon coup de zap. Que là, me mettre des petits claques comme ça, ça fait pas trop mal, quoi. J'en ai vu d'autres. Attends, je vais ramasser mon chapeau, quand même. Ah, pardon. Croyez que tu voulais faire un bol de céréales avec. Si tu veux, j'ai le lait dans la voiture. Voilà. Bon, allez. Ah, voilà. Bon, je vais aller manger. Ouais, bah, faites votre vie. Bon courage. Merci beaucoup, en tout cas. Très, très bonne idée. Et merci, M. Mécano, d'être venu. De rien. Pushy, tu le dis, hein. Oui, bon, on peut le mettre. Hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Après, les gars, ils décideront. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. C'est juste qu'il faut après que je déplace les gardes à vue. Après, j'ai du boulot. Mais franchement, il prend. Je crois pas que Spucci prend beaucoup. Enfin, en tout cas, il prend un peu plus que tous les apps, ça c'est sûr. Oui, mais. Moi, ça me fera rien. Moi, ça me fera rien du tout, en tout cas. En plus, c'est moi, tes gars, ils ont plus la plage ou quoi. Ils ont une salle de sport, troisième étage. Et puis, s'il faut vraiment l'ascenseur, il faut juste un badge. Mais après, t'es même pas obligé de le mettre, le badge. Non, moi, je peux l'enlever, moi. Moi, je peux l'enlever. Le E de l'ascenseur. Oui, oui. Ça, je sais faire. Oui, bah, on voit tout. Et puis après, c'est les gars, ils décideront, tu sais, moi. Moi je m'en fous, c'est fait juste du mais travail en plus. Le système de badge, c'est vrai, le mec qui a fait le constructeur de l'ascenseur, il l'a dit. Il a dit, ouais, je trouve ça plus mieux de devoir faire un papier pour toi. Enfin, par exemple, tu peux faire un papier pour toi avoir un badge que tu auras après, par exemple. Ou par exemple, vous, l'expédie, vous l'avez tout le temps. Mais ah, mais non, mais ça. Coup d'avoir un objet en plus dans la poche. Il suffit juste que je crée un badge et ça va vite régler l'histoire. Ah, mais et en plus, un badge qu'on peut voler. Il est fourni avec le badge. Ah oui, ouais. Par contre, il est fourni avec, il faut bien, faut pas le changer de nom. Parce que voilà, il faut le changer de nom aussi. Oui, bah, ça après, je sais faire ça. Dans le mécanisme. Oui, bah, ça dans le mécanisme, je change le. Oh, ça, je sais bien que tu sais faire. C'est moi qui sais pas trop faire. Ça, c'est facile. Ah, mais on voit. Et maintenant, j'ai changé le nom du badge, mais ça voulait pas marcher. Je dis ah, pas bah, oui, tu m'étonnes. Mais en fait, il fallait changer le côté aussi. Mais après, c'est ça si t'as des questions là-dessus, de tout, tu veux faire des choses, ça, tu me demandes. Hein. Ça, c'est très bien faire. Y'a pas de problème. Ça marche. Mais bon, après, ça, c'est très facile. Ça fait déjà des nuits, je dors pas parce que je suis en train de travailler, alors ça m'énerve. Bienvenue dans mon monde. Ouais, mais toi, tu fais des matins, bienvenue dans mon moi, monde. Moi, je fais ça tout le temps. Ah oui, parce qu'il faut jouer aussi, il faut pas oublier ça. Hein. Ah, bah, sinon, ouais, ça, c'est un truc où j'ai. Maintenant, j'ai l'impression d'être un bureau de pleureuse. Ouais, attention. Mais ça marche pas, je trouve pas mon ex. Maman, ton ex, tu me ramènes, je la nique. Comment Deviens pas comme Maxou, hein. Il faut absolument que tu te dises que tu joues encore. Ah, ben moi j'ai rien foutu. Moi, tout là, l'expédie, prenez les grades. Moi, je suis un petit officier, faites vos vies. Hein. Moi, j'ai rien à foutre. Moi, Ah, ouais, mais ils viendront pleurer quand même, parce qu'ils savent que c'est toi quand même qui fais. Mais. Ah, faut pas. Hein. Il y a des moments pour faire l'ordinateur, des moments pour jouer, quoi. C'est ça. Mais du coup, moi j'ai joué un peu le soir et après toute la nuit, je fais quoi l'ordinateur, ça casse les couilles. Parce que j'arrive pas à m'arrêter en fait, j'arrive pas à dire. Ah bah, c'est passionnant, hein. C'est quand t'es sur un truc, puis tu veux, t'as une autre idée, puis t'as une autre idée, puis t'as une autre idée, puis t'as une autre idée. Des fois, je suis sur trois idées en même temps. Ouais, tu es sur une idée, tu vas voir. Tu commences tout. Ah ouais, ça aussi, faut que je fasse. Après, tu fais une deuxième idée en même temps. Alors, allez, c'est tombé. Bienvenue dans mon monde, ça je connais très bien. Il y a des gens infectés. Non, non, il y a personne. Pour des putains de zombies. Pas encore. Bon allez, bon messieurs, bon courage. Non, monsieur le Sensei Farashi. Ficelle continue. Ouais, là tu la tenais bien là. Bon
Bon allez, moi il faut que j'aille manger parce que franchement je pense que je vais ça va mal se terminer. Ah merde, faut que je fasse tout le tour. Fuck! Fuck! Est-ce que... Non, j'allais dire je remets les call-out. Non, 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 sinon il y a un truc qui va tomber, c'est sûr, et je vais pas pouvoir aller... Tiens, mange ton radar. Eh ouais, 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 il y a des radars chez nous, t'as oublié? Et du coup, je vais pas aller manger. Donc, je vais aller manger, puis je reviens cet après-midi. On va prendre plaisir à visiter un petit peu maintenant en dehors de la ville et voir un petit peu tout ce qu'il y a. La plage et tout, il m'a dit aussi des trucs. Tu rajoutes le district de Vespucci. Il y en aura 5 si on remplace par le 10. Non, non, ça sera toujours district 10. Et en fait, il y aura plusieurs commissariats. Tout simplement. Donc ouais, il faudrait que je change le nom. Sur la carte, hein, sur la carte, c'est marqué district 10. Donc, mais nous, comment dire, pour les flics, le district 10, c'est le district de Los Santos, quoi. Après, on verra hein, ce que veulent les gens. Hein. Moi, c'est juste après à déplacer des coffres ou à créer des nouveaux coffres. À créer de nouvelles gardes à vue, c'est un peu plus de boulot, mais voilà, peu importe le commissariat. Puis tout le monde en a l'air content, donc moi ça me dérange pas du tout. Putain, regarde comme c'est beau. J'adore dans la vraie vie, hein, j'adore être sous les arbres comme ça, c'est trop bien. Est-ce qu'il va taper? Il va pas tout droit. Ouh, c'était Skip qui l'a fait. À Skip, il y a quelqu'un qui veut rester taxi. Ah bah, s'il veut rester taxi, je peux réouvrir l'entreprise de taxi. Ça, c'est pas un problème, ça. Tu m'avais pas dit qu'il pleuvait dedans? Non, pas dans celui-là. C'est dans... Là où il pleut, c'est dans... Comment ça s'appelle? Dans l'extension du commissariat. Dans les demandes de visa? Il n'y a plus aucune demande de visa en cours, normalement. Ah, dans... À Vespucci, je pense pas qu'il pleuve. T'es dans un bâtiment. T'es dans le bâtiment, il peut pas pleuvoir normalement, tu risques rien. Ah, tu me diras si, parce qu'il pleut dans le bâtiment des mécanos. Ah non, dans le bâtiment des mécanos, c'est pas un bâtiment. Mais là où... parce que ici, là, j'en ai un aussi, comme ça, où t'as des étages, où t'as plein de bureaux et tout. Mais dans celui-là, il pleut. Parce que c'est... tu sors du bâtiment, en fait, ça le grandit, tu es à l'extérieur du bâtiment. Donc quand il pleut, c'est mort. Donc ouais, dans Vespucci, il peut pas pleuvoir, c'est pas possible d'être dans le bâtiment, tu risques rien. Mais là où il pleut, c'est quand t'es pas dans un bâtiment déjà existant. Enfin, quand il n'y a pas un toit qui existe déjà. Parce que GTA, du coup, ne reconnaît pas qu'il y a un toit. Par contre, si GTA voit qu'il y a un toit d'origine, il ne te mettra pas depuis l'intérieur du bâtiment. Oui, mais moi, c'est dans celui-là que je disais, là. Parce qu'il y en a un, en fait, où tu... bon, t'as une énorme avancée, là, comme ça. Et t'as des étages au-dessus et en fait tout ça, bah du coup t'as plus de toit et du coup bah, il pleut dans ta gueule. On roule tout, genre ouais mais je le vois, il est sur un autre serveur donc je pense qu'il reviendra pas. Je pense qu'il reviendra pas. Ils avaient redécouvert le RP chez nous et bah comme on fait souvent quoi, on accueille les gens, on leur explique le RP puis après ils vont de part. Ils font presque tout ça parce qu'on n'est pas beaucoup et du coup bah ils veulent aller sur d'autres serveurs où on est beaucoup. Ça je peux pas leur en vouloir, hein. Ça c'est comme ça. Je peux pas leur en vouloir. Donc bon, c'est la vie, that life. Bon allez, je vais bouffer, je reviens tout à l'heure. Bah moi, je suis un vrai 500 player. Ouais, voilà, mais bon. Voilà. Ah bah on est un petit serveur, c'est comme ça, hein, il peut rien. Alors maintenant qu'il y a des barres jaunes pour stopper les fous de vitesse, ça serait possible de ne pas recevoir les... non, non, non.
Modèle, couleur, etc. Ouais, mais ça sert à rien parce que, enfin, on n'est pas à côté du radar. On va voir le modèle. Pff. Je veux dire. En plus, c'est un véhicule volé. Comment tu fais pour l'attraper? Et il suffit juste d'avoir ton brouilleur de radar. Hein. T'as ton brouilleur de radar, c'est réglé l'histoire. Hein. Attends, c'est 80 la vitesse pour faire flasher. Faut vraiment rouler comme à la GT Online, quoi. Maintenant, faut vraiment y aller quand même. Tu fais un temps soit peu attention. Ça marche. Puis l'ascenseur aussi, ça m'évitera de le faire. C'est bon, je pourrais le faire, hein. Franchement, je pourrais le faire, mais. Et puis on va voir après si les mecs ils veulent. Hein. On va se retrouver avec que des flics. Bon allez, je vais manger, faut vraiment que je mange, je suis fatigué, faut que je mange. Ça j'aimerais bien, ça toi en haut à droite là, la photo du personnage, j'aimerais bien prendre cette photo là et la mettre sur ma carte d'identité, je sais pas faire. Le problème c'est que je sais pas faire ça. Ça j'adorerais, il faudrait que je demande à la marchoise, il est vraiment très très fort en dev. La flemme, je traîne avec la flemme, c'est ça. Enfin, je lui demande comment on peut récupérer cette image. Channel switched. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Je reprendrai là tout à l'heure et je vais manger. Bon appétit à ceux qui ont mangé. À bientôt pour les autres. Ciao ciao. Story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say. Crack my windshield, lucky that I didn't crack you. Bitch, you're a black hole, sucking me in your vacuum. Yeah, I crack my windshield, lucky that I didn't crack you. And I'm feeling drunk in this hotel room, trying to ask you about all of your past dudes, and why they stay so present. Cause bitch, if I'm the future, then why they in your presence? And if I'm the king and you're the queen, then why you acting like a peasant? Why you acting like a peasant? I thought you were gonna tell all of your exes. Start with Paul, have fun on your farm. Why you counting your chickens and your ghosts? Why you getting dogged? Cause you think you love power. Cause you went and fucked power. But you're just enamored by pussy power. Cause you never really got it. So when she threw it, yeah, you caught it. And I knew it, but I bought it. And Paul's just your puppy. Better keep him on your leash. Cause the second that he finally gets some more pussy, he's gonna leave. A round of applause for all the losers like Paul. That's just one button.
Let me name these hoes. There was Blake, there was Devin, there was Igor, there was Paul. Then I found out you're a prostitute, so it was more names than I recall. Should've listened to the cops, should've listened to my pops, should've listened to Boogers, man. Why did I not? Because I really